Les masques aujourd'hui sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Je reprends pour vous. Les masques sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Vive le Seigneur Jésus. Vive l'Éternel des armées. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles et nous fait gagner la bataille. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Les masques sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Cela veut dire, ce que cela veut dire. Les masques sont tombés et la vérité apparaît au grand jour. Moment là, gros véritable théâtre qui a joué en dedans par la justice. Sinon, vie revive époque langui chatio papa Pierre et nous ka font coup de pied descendre dans parquet Port-au-Prince al garder commissaire Jacques Lafontaine al garder différents autres juges commissaires gouvernement qui ont même à faire causer en dedans appareil justice. Eh bien, nous connaissons te gagner gros disposition que CSPJ te prend contre tout magistrat qui pas recevoir certification yo. Soit parce que yo impliqué dans scandale corruption doit trop long, soit parce que yo de moralité douteuse, yo gen ti femme à côté, yo nan bois éclairé, yo nan joué bolette, etc. Tout ça yo CSPJ en considéré yo comme des faits qui ka empêché yon magistrat ou bien un commissaire du gouvernement pour recevoir certification. Donc depuis magistrat pas certifié, eh bien magistrat ça li pap ka siéger, li pap ka prendre siège, li pap ka tout et faire des actes judiciaires. Mémorandum sorti en dedans CSPJ, qui est-ce qui te signé? C'est secrétaire et technique CSPJ, M. Jean-Robert Constant. Côté on prend disposition depuis ces magistrats qui pas certifié pour juge de paix pour et que ce soit dans le tribunal de paix ou dans cour d'appel, yo pour pas siéger, pour pas collaborer avec voyous ça qui n'a pas justice parce que yo pas fait honneur avec magistrature là. Et bien qui ça crivé? Et bien gagné et commissaire au gouvernement Port-au-Prince. M. Jacques Lafontaine. Lafontaine lui-même, ça son rebelle dernier cri. Il fait tout le monde connaître, c'est seulement Premier ministre Ariel Henry qui a retiré la fonction. C'est avec Ariel Henry le rete, c'est job Ariel Henry l'a fait, etc. Donc par rapport avec la situation, ça, t'as un monde vraiment où senti qui a pris une décision contre Jacques Lafontaine et Jacques Lafontaine senti lui confortable. Eh bien, aujourd'hui, là, qui ça, Jacques Lafontaine décide de faire. Pendant le week-end, li sorti en communiqué côté que li mandé tout juge de paix, tout suppléant juge de paix qui a fond acte judiciaire, faut que li vise, faut que li a posé signature sous lit comme s'il gagne droit ça alors que CSPJ pas reconnaître li en dedans système non. Et puis lui même l'a fait causer. Eh bien, qui ça le fait hier lundi hein? Comme li dit ces questions personnelles, ces bagages personnels, conseiller CSPJ en a des désirs et problèmes personnels n'a des désirs ta gagne avec lui, eh bien Lafontaine écrit ULCC, côté le mandé, ULCC, unité de lutte contre la corruption, pour diligenter, presser en enquête sous et conseiller CSPJ, Nader Désir. Pour dire, est-ce que conseiller, est-ce que le droit, etc. Parce que pour Jacques Lafontaine et Nader Désir, ils ont dû être longs, ils participent à la corruption, ils ont un paquet de bagages nous qui impliqués là-dedans, son vengeance personnelle. Eh bien, nous connaissons dans le système justice, un magistrat relé, William Morin. Eh bien, Maître William Morin lui-même, il toujours gagné en position qui très drastique. OK? Il pas dans bien caché l'ombride pour l'entêter langue depuis bagarre la passé en dedans système justice, il toujours gagné position pour le bail sous lui, toujours prend position. Eh bien, comme CSPJ prend décision pour aucun magistrat, pour aucun autre autorité supérieure pas collaborer avec commissaire gouvernement qui pas certifié, ça nous les magistrats et de bouillon qui pas certifié. Eh bien, Maître William Morin, hier lundi, il dérefuse, il refuse catégoriquement pour le prendre siège avec Lafontaine. Même Lafontaine, ça a battu l'estomac client. Hier, Lafontaine arrive dans le paquet, on compte ça Lafontaine fait. On nèg qui pas recevoir certification. Yo magistrat, yo reconnaît comme doit être long dans système là, comme corrompu dans système là. Yo mandé pour remettre tout matériel, tout équipement l'état qui n'en mêle soit qu'on élevé. Pendant toute audience a fait en dedans baquet,
machine commissaire li rete la marché, oui. Chauffeur à sous volant, machine li tout ça, tout papa, c'est VIP lié. Machine VIP par en metten. Gaz l'État, l'argent l'État, batterie l'État, machine l'État, sécurité l'État, chauffeur l'État paye encore. Donc, n'a pas compris Haïti en son pays spécial lié. Faut qu'on là pour exactement qui ça va passer. La justice élève une nation, mais en dedans la République, c'est corrompu ça yo k'ap craser pays parce que pas gen justice, pas gen l'État, pas gen pays, yo même y a fait ça yo vle en dedans système là. J'en ai annoncé le commencement émission, de partager information avec nous, gagner Maître Luc Oxera qui lui-même dans cadre en initiative qui t'a prend dans société civile là. Côté que yo t'a parlé de gang k'ap théoriser moun la Tibonite. Eh bien moun wana arrivé ou te décidé pour yo fon chita parler entre yo sous problème insécurité en sous problème pays. Mes amis, si c'est moi qui di nou, yo ka di c'est forme tête ancien sénateur Ambaran parce que tout le temps yo toujours fait et des séries de petites menaces y a ban moi. Me dit petites menaces, mais menaces pas comme sinon papa, depuis y a menacé ou la vie pas vendre dans marché, la vie pas vendre dans bric-à-brac, vous comprenez? La vie pas vendre cabot pour dire tout yo al remet. Non, pas rien bailler comme ça. Donc c'est pas moi qui dit. Mais plus quoi que c'est là, on prend le temps de bagaille là. Côté li reprend ensemble information qui qu'on a circulé bien longtemps. Et même sanction ça que Canada et États-Unis prend contre ancien sénateur Yuri Latortu, pas ça ou pas de. Mais véritable question m'bralge pour m'poser, c'est après m'fin fort en de intervention Luc Oxera. En nous tendez ensemble. Senti qu'on pas capable là. Demain matin, il est là, remettre les gens pas capables de camper. Tout camper parce que nous ne sommes pas supporter. Si nous ne sommes pas capables, nous pour nous et la communauté a obligé de prendre responsabilité. Il y a un autre qui me dit que c'est la loi, son canadien qui écrit un document. Généralement, nous avons une culture des crimes à motif politique. Politiciens, yo, nous connaissons le niveau d'implication dans le pays. Nous ne pouvons jamais vous dire, même par exemple la Tibonite, département de la Tibonite. De 2012 à 2023, nous tout le monde qui met ça dans le pays. Nous avons dit qui met ça dans le pays, nous ne pouvons répéter ça dans le pays. Nous ne pouvons jamais aller sur les politiques. Au contraire, c'est eux qui ont accès pour mettre nous le commissaire gouvernement. C'est eux qui ont accès pour mettre nous dans le champion. C'est eux qui ont accès pour nous. Tout le monde qui va s'en aller, pas de 3 mois, pas de 4 mois, pas de 5 mois, qui va s'en aller, pas de 5 mois, nous connaissons. Nous tous connaissons pour ça, nous connaissons Yuri, nous connaissons nous avons un grand moto qui va être pour ça. Même toi, tu l'as tiré pour ça. Faut nous chercher, résoudre la nation. Les policiers ont manifesté la dernièrement. Ils ont dit merci profane, merci Yuri, merci politicien, c'est ça on a dit. Mon Dieu bouquet, c'est pour nous dire merci chez nous, mais chez nous, mon Dieu pas d'abord. Merci beaucoup. Mes amis, nous tendez, oui, nous tendez. Bon, en fait, ce n'est pas la première fois qu'on apprend. C'est des bagailles qu'on dit chaque jour, c'est des bagailles qui tout le temps répétées, tout le monde toujours dit. Mais véritable question pour nous poser, c'est qui ça n'a décidé de faire vraiment avec le département de la Tibonite là? Parce que, prend Yuri la Tortue, prend Profane Victor, c'est deux anciens parlementaires qui sont dans le département de la Tibonite là. Je ne dis pas, c'est qui ça a fait pour aider à résoudre le problème gang, capta et bada dans la Tibonite. L'Antibonite pas gagné au groupe gang. L'Antibonite pas gagné deux groupes gang. L'Antibonite pas gagné trois groupes gang. L'Antibonite gagné près de 4 à 5 groupes armés qui ont pété balle, qui ont fait affrontement, qui ont terrorisé la population. Qui est-ce qui met yo? Est-ce que toute gang ça yo c'est Profane Victor yo assimilé? Est-ce que toute gang ça yo t'a assimilé avec Yuri la Tortue? Qui est vraiment qui a tiré sous quoi là, qui a tiré ficelle là, qui a alimenté? Donc question ça est extrêmement important pour nous poser parce que moun la Tibonite n'est pas capable, moun l'Est pas capable, moun de Chapelle, moun Verret pas capable, moun yo obligé mettre au tête yo dans situation qu'on y a, c'est eux même qui a fait justice, c'est eux même qui a mettre en embuscade, c'est eux même qui a monté brigade et brigade de vigilance, qui a cherché bandi, qui a exécuté bandi, mais à chaque fois yo éliminé yo tout yon bandi pour un groupe gang, après représailles, c'est yon qui vient subir. Qui ça la police dit? Parce que tout le temps a fait des dénonciations, c'est qui ça qui fait après?
C'est qui ça qui fait après? Parce que ça est extrêmement important. N'a pas continué avec les problèmes insécurité, problème gang, violence, captaille, banda. Nous connaissons Andrew Holness, qui c'est vice-président jamaïcain, liant dans la République, liant tête délégation, CARICOM, vous voyez. À quel fait? À quel fait? Qui ça lui fait? Est-ce que demain, ça pas abouti? Est-ce que vous entendez vos solutions, vos sorties de crise qui pourraient rejoindre vraiment? Parce que problème dans le jour et aujourd'hui, est-ce que même international l'a posé? Parce qu'on pas qu'à demander une sortie de crise, un consensus, alors que nous avons demandé pour faire consensus avec le gouvernement Ariel Henry, yon même yon une position ferme, yon pas négocié avec Ariel Henry, Ariel va légitime. Donc c'est ça le véritable problème là. Comment on peut demander un groupe moun pour chita parler négocier avec yon moun qui pas légitime sous problème pays. Alors que problème pays ça nous voulons résoudre, nous voulons chercher solution pour lien, c'est même nous même encore qui contribuer largement à créer problème là avec choix nous fait. Moun nous choisit mettre dans tête pays là, dans tête institution yo. Donc nous international la mette Haïti côté li, c'est ça que fait l'entendé Canada, entendé Justin Trudeau a parlé de facilitation de dialogue, ou entendé a parlé de importance dialogue, importance consensus journée jeudi. Alors mande tête tout, est-ce que c'est vraiment ça relé? Est-ce que c'est ça États-Unis vrai? Est-ce que c'est ça Canada vle tout bon? Parce que le n'a gardé Jean yo même encore yo contribué dans mettre pays en là. Jean yo même encore yo contribué dans déstabiliser parce que yo déstabiliser pays en de l'intérieur hein. Mettez Ariel, Kébé Ariel et faites toutes les propagandes ça yo, vous comprenez? Faites tout lobby ça yo pour Kébé Ariel dans tête pays parce que Ariel peut-être gon intérêt la défendre la protéger pour nous. Pendant que misère dans des grandes populations, grand goût en la, insécurité en la, pas bon solution, pas le bab qui rive jouen, pas bon solution qui pote, et nous te attendons que sanctions internationales n'ont été prises contre différents acteurs qui soient disant participer dans l'insécurité et à financer gang, qui ont une relation avec bandits, etc. Nous te pensons que sanctions ça yon tapra l'effectif, yon tapra pour ton solution quelconque. Nad marinade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Question, c'est qui ça qui doit faire journée jodi an là avec problème pays. Et constat li fait, crise endémique ça nous gen là, problème nous gen dedans pays, c'est pas 86, c'est originier pas 86. Nous gen problème qui remonte et depuis et occupation américaine en 1915. Gen ensemble de problèmes faut nous poser fondement depuis là parce que nous sentis que Haïti, nous sentis ça qui a traversé la société à la influence États-Unis gagné sous pays, c'est depuis l'occupation américaine, non? Et c'est ça qui fait extrêmement important avec panel là, avec différents panélistes aujourd'hui, dans l'espace libre et opinion. Nous pral garder ensemble, nous pral garder Haïti, nous pral réfléchir sur Haïti, moment passé, hein, présent de 86. Nous essayons de mettre un repère de 86 à journée aujourd'hui là. Nous pral garder instabilité politique là. Nous pral garder insécurité là. Nous pral garder vide institutionnel. Nous pral garder problèmes et constitutionnels qui gagnent. Influence internationale là. Pour nous arriver à proposer des solutions. Mais bien avant, faut moins signaler hier. Nous apprenons une nouvelle et la mort ancien premier ministre Gérald Latortu. Et il y a des gens qui seulement ouais Gérald Latortu comme yon ancien premier ministre qui participait, qui contribuait dans mes pays en côté lié là, etc. Parce que, et le Napson j'ai 2004, il a fait et transition 2 ans, 2006, etc. Quand c'était l'argent qui gargotait, surtout dans la transition, nous connaissons qui sa transition implique en dedans pays. Mais faut moins dire nous tout. Transition nous t'a gagné en 2004 là. C'est une transition peut-être de point de vue normatif qui fait pays on ti bien quand même pour qui ça parce que si nous avons une fonction publique, nous avons une administration publique qui a fonctionné journée jeudi là, c'est sous base des ensemble de décrets qui étaient pris en 2005, décret sur la fonction publique, décret qui organisait cours des comptes CSCCA, cours des comptes contentieux administratifs. C'est en 2005 qu'on prend sous Gérald Latortu, sous Boniface Alexandre. Donc même le ça est extrêmement important pour me souligner, même le il y a un paquet de bagages nous qu'à reprocher individuellement, mais faut nous pas seulement garder mauvais côté. Il faut que nous toujours songer, il y a des bagages concrets qui t'est fait, il y a des bagages qui t'est fait de positif, journée jodi en cap utile pays qui continue utile pays qui continue utile société. On nous passe rapide vite sans perdre du temps dans espace libre opinion côté que nous pral gagner différents panélistes, nous pral gagner Pascal
Philippe et Jules, qui sont juristes internationalistes. Nous allons gagner Irving Skipper, nous allons gagner Mark and Love Glorgens Guerrier ensemble. Nous allons faire débat sous situation pays. Déjà, m'a invité à partager vidéo. Rete attentif, rete connecté pour tendre ça qui passe dans le pays d'Haïti de 1915-86 jusqu'à jeudi. Et ensemble, nous avons fait des propositions qui aboutissent à des perspectives de solutions pour le pays. J'en ai déjà annoncé, eh bien, jeudi, nous avons une émission tout à fait spéciale, côté que, et nous avons un panel qui déjà annoncé très intéressant. Nous avons des jeunes qui arrivent avec nous là, des spécialistes dans différents domaines. Nous allons le présenter nous tout à l'heure. Puisque, comme d'habitude, nous toujours faisons, nous venons avec des jeunes haïtiens qui ont même, yo gagné en parole pour yo dire un message, yo voulez faire passer, yo ont l'idée, yo voulez partager. Toujours dans souci pour nous chercher ensemble solution avec problème pays. Nous connaissons déjà problème yo pluridimensionnel, nous gain problème dans tout domaine yo. Tout côté passé en dedans pays, c'est problème économique, problème social, problème politique, sécurité, c'est pas parler. Eh bien, je dis là ensemble avec différents jeunes. Et nous gagnons avec nous Pascal Philippe Jules, qui lui-même, lycéen étudiant en sciences juridiques, son juriste lié. Et également, c'est étudiant en relations internationales. Nous gagnons Mark and Love Glorgens Guerrier, qui passait la présentation et sous plateforme, non, suite avec et rubrique internationale, qui présenté, qui c'est un diplomate, qui fait des études en relations internationales. Et nous gagnons Irving Skipier, qui c'est anthropologue et également étudiant en relations internationales. Et bien, je dis, avec Monsieur Sayo, avec différents panélistes Sayo, nous prenons parler ensemble, nous prenons faire réflexion, nous prenons faire débat sous situation paysan. Nous prenons parler de Haïti, dans le moment passé ou dans le moment présent. Nous concentrons, nous prenons centrer débat. Et dans l'espace année 86 jusqu'à aujourd'hui, pour nous garder ensemble situation politique, pour nous garder ensemble et situation sécurité, vide constitutionnel, vide institutionnel, et poser problématique pour nous arriver à chercher solution. Qui ça nous a fait journée aujourd'hui pour nous arriver à résoudre différents problèmes endémiques paysans gagnants. Monsieur, préparez-nous. Comment nous y est, comment y est Pascal, comment y est Rivenski, comment y est Mark and Love? Est-ce que nous préparer pour nous livrer ça nous porter jeudi en là dans l'émission? Bonjour tout le monde, comment nous y est? Bonjour, bonsoir tout le monde. M'ap salue panel là, m'ap salue et Mark and Love Glorgens Guerrier. M'ap remercie le monde qui présentatrice là qui fait une belle introduction à propos du sujet. Non pas Monsieur Ivinski, Daniel Anderson Bière, Monsieur étudiant en relations internationales et en anthropologie. Et son plaisir pour moi pour nous boucler la parole ensemble à soi autour de sujets intéressants ça. Merci. Bonsoir tout le monde. Comme présentatrice la TFL déjà, moi c'est Pascal Philippe Jules, et diplomate de formation et juriste. Et c'est un plaisir encore pour moi pour me participer dans si grand activité de débat qu'à discuter concernant problème et crise qu'a traversé le pays depuis un bon nombre de temps. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci parce que nous connectons avec nous. C'est les amis pour Mark and Love Glorgens Guerrier. Qui la voit, c'est comme ça que toujours commencer l'émission. Merci Yannick et l'autre fois pour l'invitation dans le cadre d'émission spéciale. Je remercie Ivinski, Daniel Anderson, Pierre, Pascal, Philippe, Jules qui partagent le panel avec nous. Je dis à une nouvelle qui va échanger sur ça qui a dominé la scène nationale là, depuis pas mal de temps, histoire pour nous capables de comprendre ça qui a passé journée aujourd'hui à là, qui côté ça sorti et qui ça qui doit faire vraiment pour nous joindre quelques éléments de solution avec le problème. Ça. Eh bien, et dans le dernier jour, ça va, monsieur, et par contre, si nous constatons la situation politique paysan par rapport avec un ensemble de décisions qu'a prend par bon côté pouvoir l'État, par bon côté gouvernement, rien.
Et ça qui vraiment attire l'attention, moi personnellement, et nous allons pour nous faire débat sur ça, c'est demande d'intervention militaire que le gouvernement a fait et avec la communauté internationale, là, pour avoir soldats, venir des PNH, venir combattre gang, venir tuer bandits pour rétablir la sécurité en dedans pays. Nous voulons pour nous aider auditoire, mon capitaine de nous, pour nous aider à comprendre. Et river placer États-Unis ou bien demande d'intervention que États-Unis et que Haïti fait que gouvernement Ariel Henry fait et essayer placer dans contexte li. Parce que moi personnellement dernière intervention musclée m'a dit que et États-Unis te fait en Haïti c'est en 94 qui ça qui justifie journée aujourd'hui là tout est viré rond ça qui gagne pas beaucoup des États-Unis, Canada avec demande d'intervention qui fait que jusqu'à présent pas qu'on réponse qui bail et n'a pas essayé faire ça et dans l'ordre Pascal Ivianski et Mark and Love une après l'autre pour nous réagir et puis pour nous et l'ouvrir des bail. D'accord, merci beaucoup. En fait, vous posez une très bonne question par rapport avec modèle intervention de forces étrangères sur le territoire d'Haïti. En effet, si nous regardons à travers l'optique de l'histoire, ce n'est pas un bagage qui commence aujourd'hui à là. Si nous sommes capables de prendre depuis après l'occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934, période que nous avons supposé en pile dans nos pays du tout par rapport à conséquences jusqu'à présent sur le territoire, mais les États-Unis ont capable bien pour faire différentes interventions dans la politique interne, nous qui c'est émission. Dans des affaires internes qui ne sont pas supposées à faire. Maintenant, comme nous prenons date victoire début dans retour Aristide 94, eh bien, retour Aristide 94, nous connaissons bien, c'est suite à coup d'État Aristide Desbrun en septembre 91 avec Raoul Cédras. Eh bien, quatre interventions, ça, c'est pour tourner sur une base de négociation ensemble avec le président Aristide sous question et un ensemble de points stratégiques que Michel Soukarté a fait dans l'émission Le Point qui était rappelé que rentrer. Force ça, c'était non seulement la démobilisation de l'armée, qui était en forme de régression pour nous par rapport à bien vous casser dans la défense territoriale, non, ça qui t'a facilité la question commerce et crime drogue sur le territoire là. Ensemble de ça, de vous dire, on va parler de drogue, on va parler de criminalité, on va parler de trafic d'armes, on va parler de proximité, et bien ensemble de ça, on va développer timidement question insécurité, je dis à la qui. T'as pas l'occupé dans la phase de je dis à ça, t'as capable de parler du paroxysme, qui fait que l'autre solution dont on a besoin encore, c'est l'autre retour qui se trouve pour ce système-là qui a pris nous les têtes. Ça, c'est parti. Ça, on gagne comme introduction sur ce sujet. Merci beaucoup. Oui, Irvinski, qui position par rapport à la question, bah, qu'on est sous tétan de tout bagaille. Bon, m'gade de tande tout ça k'ap di tout à l'heure là, mais précision m'ta remè pou te sou tout ça k'ap di déjà, c'est étant donné que gouvernement Ariel Henry lui-même l'a demandé intervention pour essayer gérer situation chaotique ça que n'a vu là dans là en Haïti, ça veut dire pour moi-même soit aveu d'échec, c'est-à-dire que l'État haïtien, dans son ensemble, capable de dire, lui-même, il échoué par rapport à la situation que l'a fait face à la situation insécuritaire, là. Mais maintenant, ça qui est intéressant pour nous mettre accent sur lui, c'est l'État haïtien qui échoué, mais c'est avant tout qui type d'État haïtien. Parce que, dans ce sens-là, faut nous mener un débat exactement là. Qui type d'État haïtien qui échoué face à la situation, ça? Si m'a fait référence à tout grand théoricien l'État en Amérique latine et même dans la région Caraïbes blanc, il y a toujours dit que et l'État dans zone là c'est des États qui fonctionnaient avec ça la théorie de la dépendance, c'est-à-dire c'est des États qui dans mode de fonctionnement yo dépendent fortement de l'international, que ce soit en termes d'aide mais surtout en termes de décision. C'est-à-dire que l'État ça yo qui pas vraiment gain une représentation sociale de configuration géographique et géopolitique de tout pays, hein, l'État ça yo une incapacité pour porter réponse à ensemble de problèmes sociaux et sociétaux. Donc
Ça qui arrive là avec Ariel Henry, c'est un aveu d'échec. Et aveu d'échec, ça, je suis capable de dire, il rentre dans la logique et domination impérialiste que type l'État ça, autant que l'État ça nous gagne en Haïti là, a subi dans la zone. Donc, en gros, c'est ça. Mark in love? Oui, en fait, tout à fait d'accord ça avec l'intervention Ivinsky et Pascal, mais tout simplement, je devrais aller beaucoup plus loin parce que et pour questionnement de Ivinsky, lui-même, il fait sous quel type de l'État que nous gagnons, il faut que nous capables de comprendre dans nos perspectives. Depuis l'assassinat, nous sommes capables de dire empereur Jean-Jacques Dessalines, ça vient reposer en pile question dans la société haïtienne. En plus, nous avons vu un autre président qui pourrait l'assassiner. Par exemple, insécurité avec criminalité politique que nous connaissons aujourd'hui, c'est pourquoi qui s'est présenté dans l'histoire du pays. Et surtout, ça qui pourrait nous poser comme un poids lourd sur le peuple haïtien, c'est transition démocratique de 1986 et à journée aujourd'hui que nous connaissons. Parce que avant, nous tellement venus rentrer dans ça, le phénomène démocratie ensemble avec un orgueil. Et comme quoi nous avons rejeté tout ça. Dictature là les mêmes litigants sans que nous pas préparer qui projet de société pour pays pour nous rentrer dans la démocratie. Or depuis là que nous rentrer en pile nous capable de dire bavure que démocratie a les mêmes vient imposer ça pas veut dire que par opposition que nous accepter un système dictatorial qui t'a marché crapulé qui t'a bail problème dans société. Donc communauté internationale là vient fourer bouche depuis là que nous sortir dans transition démocratique. Là, nous capables de pays à trouver la stabilité de l'instabilité politique. Ça veut dire que l'instabilité politique là, vient bail une question de criminalité. Or, communauté internationale là, d'ailleurs, qui vient poser comme un problème, par exemple, discours Ariel Henry qui est actuellement sous scène internationale là, il y a les OEA, il y a les CELAC, il y a les CARICOM, il y a les Nations Unies qui besoin force militaire étrangère pour capable de résoudre l'insécurité. Or les que nous considérons, c'est seulement les Nations Unies qui ont une force multilatérale que sont capables de déployer OEA et CARICOM. C'est là qu'ils n'ont pas une force militaire vraiment qu'ils sont capables de déployer pour capable de venir, à moins qu'ils soient capables de porter des appuis techniques. Mais même là encore, dans l'aide ça qu'ils ont demandé, qu'on a la grande question, c'est quel type d'aide qu'ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont un plan? Par exemple, si OEA a dit, OK, je suis prêt pour aider Haïti à faire face à ce phénomène, qui propose son gouvernement haïtien? Et c'est une raison qui fait dernièrement, nous tellement pas fiables dans les données, où le Canada a dépêché spécialiste pour venir mener pour un paquet de pales, parce que le gouvernement a infiltré et la population a montré, il y a des révélations qui fait. Déjà, ou bien dans ouais comme si c'est un phénomène de gangstérisation, de banditisme d'État. Que gouvernement avec des ministres, des anciens sénateurs, ils ont même impliqué pour capable continuer à favoriser la terreur dans la population, pour eux-mêmes ils ont continué à faire peur. Bon, bon, qui est extrêmement important. Bon, chaque intervention qui fait sur, ils font intervention et Pascal font intervention ou même Martin Love font intervention. Bon, qui attire l'attention dans chaque. Tant que par exemple, Ivinsky dans l'intervention différente, il fait qu'on est que, et journée aujourd'hui, le fait que le gouvernement Ariel l'a sollicité par mon côté international pour avoir une intervention militaire sont aveu d'échec. Mais derrière aveu d'échec, ça que Ariel l'a montré, est-ce que international n'a pas échoué, puisque Ariel qui n'a pas payé, Ariel là, c'est pas Ariel pas aucune légitimité, c'est pas suite avec aux élections président élu et puis président fait choix Ariel t'est passé devant parlement. Non, c'est un truc qui mettait Ariel là, nous quand même considérer corps groupe ou madame la limbi, c'est yo même qui mettait Ariel là. Le fait que je ne jodi Ariel n'a impossibilité gros manque de volonté pour yo rétablir sécurité en dedans pays pour garantir sécurité peuple. Est-ce que nous pas ta considérer tout comme échec même international ça que gouvernement a sollicité aide, il a demandé pour venir aider yo en même temps. Bon, question avec l'échec qui était sollicité tout à l'heure là, fort sous deux angles. Premier angle, échec là, parce que Ariel lui-même couvre ou pas, peut-être que de yuré, c'est-à-dire en termes de droit, Ariel pas légitime pour la position pour l'IA, mais de facto c'est lui-même qui l'a, c'est lui-même qui aime levier de pouvoir en amène. Donc c'est comme ça, et juridique, de facto c'est lui-même qui l'a. Mais maintenant, ça qui est intéressant, c'est que, aveu d'échec
que nous avons parlé de lien, c'est pas uniquement aveu d'échec de Ariel en la personne propre, mais c'est aveu d'échec de tout système étatique là. Si nous avons parlé de fonctions régaliennes de l'État, par exemple, nous rentrons dans Max Weber, une première fonction régalienne que l'État a gagné, c'est la sécurité. Immédiatement que yon l'État pas qu'à assurer sécurité tout concitoyen qui sous espace géographique que l'app administré, l'État ça a échoué. Par rapport, bien entendu, à tout théoricien qui a avancé sous ça. Mais maintenant, question internationale là pour nous poser tête, nous, question qui est importante pour nous poser tête, nous, à propos du dossier international là. Est-ce que l'international là a gagné intérêt à ce que bah, yon améliore? Et c'est ça tout dilemme, non? Nous toujours avons dit que l'international a échoué par rapport à telle situation en Haïti qui vient empirer ou bien qui vient chaotique, j'en ai là. Mais est-ce que l'international a gagné intérêt à ce que les choses s'améliorent en Haïti? C'est ça la vraie question. Parce que faut me rappeler que l'histoire pays ça avec l'international, son histoire qui est assez compliquée. Depuis 1804, Haïti indépendant, Haïti pour opposition, capable de dire radicalement opposé à l'ligne politique époque là, international là, qui prend des années pour bas Haïti sanction, pour bas Haïti embargo, etc., jusqu'à ce que international là parle forcer Haïti rentrer dans une logique de paiement de yon dette inventée coloniale qui pral plomber l'économie haïtienne. Non? Et Benoît Joachim rallie ça très bien dans les racines du sous-développement haïtien. C'est-à-dire que l'histoire, nous, avec l'international, est compliquée. Donc, le fait qu'on situation est pis mal en Haïti, et ça va vous dire que l'international échoue. Peut-être que l'international, c'est la réussite. Parce que nous ne garantissons jamais des débats dans ce sens-là. Mais donc là, si vous comprenez la question et armée d'Haïti, tout le temps, il y a répété ça dans l'international. Là, les gros diplomates sont venus là, ils ont toujours propre texte sur les armées d'Haïti. Donc, nous comprenons si on fait ça, nous, mais au fait, pas de question d'armée d'Haïti, puisque nous connaissons les pays où les armées sont intérêts. Donc, quelque part, tout dépend de ça, haïtien ou bien tout dépend de sa autorité, ou considéré comme lien d'amitié ou gagné avec moun sa ou d'international. Chaque parti a géré plus disparu. Si bien comprendre, c'est ça lié. En effet, nous capables de dire, c'est quoi ce qui te fait approche par l'IA, la logique internationale autour d'Haïti, nous prenons ça, nous capables de lire la théorie du complot. Et ceci, la théorie du complot, surtout basée sur un trio qui prend le Canada, la France et les États-Unis, avant de parler de l'Union européenne, comme d'autres, parce que c'est le pays qui est la pointe de lance pour qu'il y ait plus d'influence sur Haïti. Et non, ça, nous, les aveux d'échec qui viennent ce qui t'a parlé dans l'international, là, surtout, c'est par rapport, nous, ça au fait que ça a révélé la politique tient le droit en état. Côté que tout ça qui lie avec une légitimité de règles de droit, ils ont mis de côté pour être capable de fonctionner de la façon par. Du moment que situation cap déroulée au niveau territoire quelconque, comme étant donné que c'est le cas d'Haïti n'a pas les, l'intérêt international là, l'inormal pour y faire ça aurait des diversions pour montrer que et des diversions et faire semblant que pour montrer que une situation capable d'avancer, il y a point pour ensemble de décisions qui pas abouti à rien. À tel point que Jean se tape mentionné, dit que Ariel, nomination Ariel Henry, c'est un tweet lié. Ariel pas nommé ni selon constitution 1987 là, ni ça qui a amendé le 9 mai 2011 sur l'administration prévale là. C'est-à-dire que, forme de représentation, ça, généralement, il y a une bagaille noté qu'on est que, lès que un gouvernement représente un pays, c'est coup d'État qui débat, et puis qu'un ensemble de pays n'a reconnaissance internationale qui pas fonctionné avec lui. Ariel Henry, pas prend ni un coup d'État, ni aucune légitimité, ni aucun mandat, mais il est là selon la volonté de l'international parce que il est là pour l'aider à accomplir la mission qui se rend Haïti dépendant vis-à-vis de l'international parce qu'il y en a un ferme bataille, mais n'oubliez, qui c'est en 2003 au Canada, ensemble d'ambassadeurs étaient réunis pour priver Haïti d'indépendance. Ça qui, je dis, a abouti à un groupe qui a dicté l'ordre, c'est-à-dire que les affaires, autant de que l'ambassadeur ami d'Haïti a rentré, Vindi a dicté l'audio, son question de lobby qu'a fait pour ce qui territoire là, il facilite le passage du droit et il y a un élément nous connaît qui peut être un pile financement au niveau international. Mark and Love, et qui approche par rapport avec qui point ça? Non, mais nous avons une situation qui est extrêmement compliquée et Jean que monsieur Memio
présenter, c'est que c'est pour la première fois dans toute l'histoire pays que nous avons un monde qui a joué plusieurs rôles en même temps et ou pas avec une opposition. Actuellement, la question pour nous poser tête, c'est qui est-ce qui est dans l'opposition. Par contre, le gouvernement sans opposition. Donc, le fait que, par exemple, je vais là, même les bien fait au niveau international, et yo vin imposer Ariel Henry, c'est comme quoi qui ont totale légitimité que peuple a lui accepter malgré dernièrement nous connaît qui ça qui brité couri que Ariel Henry était allé il était couri prendre radio pour t'aller demander question mais ça vient poser problème parce que c'est même dans jouet ça que nous rentrer et ça que fait président Manigali même il était totalement bien comprendre ça et il était prendre soin pour être capable faire une distinction entre banditisme social et banditisme politique. Actuellement tout des concepts ça nous sommes capables de dire pour capable bloquer population les capables et fonctionner parce que premier elle n'a pas eu de banditisme social là elle même lui fait référence ça avec ça aux violences conditions sociales que pays elle même lui connaît qui lien ça avec pauvreté inégalité de richesse qui constitue comme un obstacle au développement économique et social pays a par contre forme et banditisme et politique là lui-même c'est politique là même qui crée elle pour capable simer chaos pour capable venir avec des violences politiques déstabiliser pays là dans objectif pour capable accéder au pouvoir d'ailleurs selon sa président Manigali même lui bien déclaré dans question ça nous connaît et côté que le moment où que politique là lui-même lui vient banditiser bandit rentrer en dedans pour permettre que yo capable imposer force c'est normal pour Alvin Guerre ça relie une sorte de terrorisme et terroriser il fait et appel à la peur pour tout le monde capable rester la caillou OK bandit dans la rue c'est eux même qui a fait la loi c'est ça qui fait actuellement nous vient rentrer dans une bataille de territoire donc ou vient une structure administrative de l'état qui est totalement emprisonné qui prend en otage par des bandits. Donc, qui encercle, ou par contre, qui ça qui empêche un bonjour, bandit descend dans le palais national et bien installé comme président. Pas rien qui dit ça. D'ailleurs, les Noirs suivent toute action que le gouvernement a fait. Qui ça que nous voulons vraiment qui répondent ensemble avec ça pour être capable de jouer un élément de solution. C'est vraiment difficile. Gon bagay ki ekstremement important pendant toute intervention yo qui attire attention c'est problématique et sécurité. Jodi Haïti a fait face avec yon problème insécurité, gang k'ap terroriser population, kidnapping k'ap fait pas pile pas paquet chaque jour. Et moun yo population besoin réponse. Et en pile expert en sécurité, des séries de monde qui a suivi ça qui a passé au niveau de l'État. Yo fait connait que m'te gagne une interview que m'te fait avec ancien colonel Imler Rebu qui lui-même qui très direct sous position. Insécurité qui gagne en Haïti là, PNH pas ka résoudre ça, son problème pour l'armée d'Haïti résoudre. Depuis 94 Jean et Jean-Pascal te dit dans intervention là États-Unis vini yo imposé nous yo a démobilisé l'armée yo démobilisé l'armée et journée jodiyan gen plusieurs débats qui fait sous ça gen plusieurs approches qui fait sous ça gen moun ki dou c'est parce que et un paquet coup d'état bay c'est l'armée qui toujours bay coup d'état puisque n'a cherché stabilité pour pays on a besoin de stabilité politique donc à l'époque c'est peut-être plus bon choix yo te ka fè pour démobiliser l'armée et pour retourner pays avec un calme apparent. Eh bien, je dis en là, par rapport avec niveau insécurité, hein, par rapport avec Zach Brigandai, terreur que bandits a psymaillé dans le pays, hein, gen nécessité pour nous avoir l'armée qui est opérationnelle. Mais ça nous vient là, puisque nous considérons comme nous embryons, qu'on y a tout j'ai fixé sur international, tout j'ai fixé sous blanc et pour qui pour venir de nous. Bon, gagné depuis hier, n'a pas considéré hier. Gagné Andrew Wallace qui c'est premier ministre jamaïcain qui prend tête délégation CARICOM là qui rentre en Haïti là vini pour venir chita avec différents acteurs vinn faire débat vinn regarder comment yo ka résoudre problème politique là qui ka abouti avec sécurité en Haïti puisque n'a regarder dossier Haïti tantôt dans ONU tantôt dans OEA tantôt dans CARICOM et à plusieurs reprises gagné Justin Trudeau qui lui-même et États-Unis pote dossier Haïti en Bali, li même li rete non seul débat, li rete non, li gon seul approche côté que faut bon dialogue inter-haïtien, problème haïtien, solution haïtienne. Tout moun sou international, sou scène international, c'est censé comme ça yo bagay la.
Imaginez-nous Bob Rae, qui c'est représentant, qui c'est ambassadeur canadien auprès des Nations Unies, li vini chita avec gouvernement Ariel, chita avec protagoniste, an yon pa fèt, kounye a. Pour Jamaïque qui a tout problème sécurité ça la kayli. Et puis jounen jodi an, c'est comme si même États-Unis, même Canada, yon prend dossier Haïti, yon bay Jamaïque li pour le débrouiller, pour le dégager là avec lui. Est-ce que selon nous-mêmes, c'est pas un temps à faire passer, c'est pas une perte de temps, c'est pas c'est, est-ce que implicitement c'est pas dit États-Unis et Canada dit yon même yon lave men yon tant pou pilat dans dossier Haïti que nous dégager nous pourquoi nous pour nous résoudre problème là. Et yon après l'autre j'en nous sort faire là, on nous parler, on nous continuer faire débat et n'a commencé avec Pascal qui réflexion comment ouais et dossier ou même. Merci en pile encore une fois. Il y a un proverbe haïtien qui dit depuis médecin en pas besoin encore d'y accuser de rage. Et là n'a prend et un livre que Michel Souka a écrit siècle de domination de 1915 à 2015 sur Haïti, ou regarder parcours les États-Unis influence les gains sur Haïti. Ou est que un ensemble de bagages nous n'a vivre je dis là c'est conséquence par rapport à ensemble de causes antérieures. Eh bien 94 qui revient à démobilisation de l'armée, c'est une façon pour dire que dans niveau situation là il détourné par rapport à ça les États-Unis ont instauré comme principe sur territoire depuis l'aile là qui était territoire 1934. Eh bien il vient montrer n'est pas bon encore pour paraître un bon père de famille ou bien comme bon conseiller bon voisinage dit n'a contribué à la démobilisation de l'armée, il connaît bien du moment qu'il est entré dans ça, il y a toute forme d'insécurité, de criminalité qui a développé ce territoire. Parce que généralement, c'est l'armée et la police, c'est deux forces qui gagnent jusqu'à présent à travers la théorie politique, historique et sécurité, nous gagnent, qui sont capables de restaurer l'ordre sur le territoire et sanctionner la puissance publique qui gagne, ça a un même comme prérogative. Eh bien, depuis 1994, démobilisation de l'armée, nous allons prendre un ensemble de dérives 95 tout de suite qui vient avec la police. Eh bien, la police vient comme une institution secondaire qui va remplir double fonction à la fois l'armée et la police nationale là, par rapport, c'est lui-même seul qui présente ce territoire là. Par contre, il connaît bien dépendance institution PNH vis-à-vis des États-Unis, parce que c'est les États-Unis à travers l'ambassade, il y a une représentation ici, qui a fait formation à l'académie. C'est eux-mêmes qui ont installé directeur général dans la tête PNH, là, c'est eux-mêmes encore capables de munitions, à tel point que nous avons BLTS, qui c'est Brigade trafic, contre le trafic stupéfiant, des luttes contre le trafic stupéfiant, c'est lui-même encore c'est l'ambassade américaine qui a payé chaque 20 policiers. C'est-à-dire que le contexte là, il mélange, nous prenons ça au relais, complot pire de passer Wanga. Même ça, nous avons sous territoire là comme forme de sécurité, sont une sécurité planifiée, sont une sécurité volontaire liée, à l'air que vous voulez, vous êtes capable de retirer dans ça au relais là. Comme étant donné que pas moins seul qui sous panel là, on va tourner pour me dire plus, mais dans ça nous prend là, ils sont complot de l'international et de l'interne par rapport à connivence qui gagne parce que si on pas bail dehors pas recevoir. Mark and Love, qui approche ou gagne, comment on réagit, est-ce que vous d'accord, est-ce que vous pas fin d'accord et on va avancer. Mais moi-même globalement que moi j'étais quoi, c'est pas international là qui va résoudre ça parce que c'est vrai Pascal Dalleux a sauté évoquer théorie du complot, mais il faut que nous capables de garder nous-mêmes en tant qu'haïtiens qui s'en fait. Comment, qui ça que nous avons comme plan, qui, comment nous avons avenir pays. Parce que le phénomène de sécurité, là, li, son bagage qui a résolu depuis qu'on volonté politique, c'est parce que son banditisme d'État, son insécurité qui planifiée. Même chez Pascal Dillon, nous songeons par exemple à Port-au-Prince et Cité Soleil, Belé, comment ça a été, le cas de kidnapping qui a commencé à gagner, et n'a pas les sous deuxième. Et présidence et Préval, par exemple, et qui t'a pris une baille ensemble avec Michel Martelly. Même et Préval lui-même était clair sur la décision, il était baillé en avertissement. Côté que président Préval lui-même était dit, c'est soit que bandit remet des armes ou bien il mourit. Et ça, c'est pas comme si Jovenel Moïse dernièrement qui était baillé en discours et puis quelques heures après ou pas avec une action faite. L'autorité de l'État était là. Donc, au président parler et puis il y a action qui fait automatiquement recommencer vider bandi à terre et ça a droit international ou bien communauté internationale n'a pas venir parler parce que Salvador lui-même il saute fait ça là parce que c'est intérêt nation c'est sécurité peuple là qui prime donc et sous Martelly la motte a fait intervention dans cas de kidnapping qui t'a bien pour être capable mater phénomène là c'était l'autorité de l'État. Actuellement là, ou gen yon moun ki président, ki
et premier ministre, qui chef CSPN en même temps, ministre intérieur, donc, et puis pour dire qu'on n'a pas un plan de sécurité pour capable empêcher ça qui est là. Et si pas rien qui fait, côté que nous allons aller, nous allons tomber dans la guerre civile, parce que pas tout le monde qui a accepté de rentrer dans le programme Biden pour quitter le pays. Et pas tout le monde qui a accepté de perdre tout ça qui a gagné, parce que quand y a là, on vient rentrer dans l'autre forme de banditisme, côté que bandit a l'aise à l'aise pour qu'on l'aide pour voyer bail on entrepreneur pour dire de nous. Chaque mois, il faut ban 30 cob, sous pas ban moins li, et on connaît mon tracteur, même si on est dans le cas où on a crasé le mur là pour m'entrer bon, pour me prendre cob là. Donc c'est là que nous vivons. Et puis, on a l'État qui est tellement impuissant, pour lui-même, c'est comme si ça a fait là, c'est comme rien était. Et puis, où est le carnaval qui est organisé normalement, où est toute activité, c'est comme si rien là. Et puis, communauté internationale, là, lui-même, il y a des Haïtiens qui sont dans la diaspora, ils ne sont pas impactés comme si ils croient que vraiment le pays a grand pile problème pour le gouvernement en soi. Ou pas, il y a une démarche que yo a entreprendre pour capable résoudre problème là. Martin Love, est-ce que nous pas qu'à plus parler de complaisance parce qu'on dit on l'état qui est impuissant et l'on a regardé différents approches ou bien et déclarations surtout là mais quand des sanctions États-Unis Canada sont prend contre différentes autorités différents acteurs qui ont même impliqué dans crise pays dans mettre pays à côté là. Est-ce que nous pas parler de impuissance l'état ou du moins pour nous parler de complicité, de complaisance acteur yo gagne avec gang, avec bandit qui mette l'État à côté lié là. Parce que bagay là, on dit li plus que ça, nous wea. Oui, oui, effectivement, mais gon problème. Parce que l'État li même li dit on bagay et il pas agi. Et puis pendant ce temps, bandit en face, li dit tande non, m'bral sorti demain si Dieu veut là, moun ba pran la rue. Et il sorti vrai. Li djou mbral soti m'soti vre, li vin moutre que l'État li même li pa kapab dirije. Serp, nou tout à fait d'accord ça avec l'intervention, parce que gen yon convivance entre et l'État ou bien dirigeant ou ensemble avec bandi yo ki kol sa la, yo même yo accepte. C'est parce que gon volonté pour sa fête qui sa fête. Mais sinon, bandi ya li même, li pa gen plus tactique, li pa gen plus formation que PNH. Que force armée que nous gagnons là yo. Yo même c'est des amateurs, c'est des nèg qui étaient comme ça et puis yo dit OK m'a formé tête moi m'a regardé du droit vidéo là mais comment m'a pas défendre tête moi. Mais nous même nous investissons des millions en formation pour payer l'achat. Donc ça veut dire bandi a lui même une plus tactique de combat que yon militaire que yon policier. Non, du tout pas. Mais c'est parce que yo accepté rentrer dans stratégie politique que bandi a lui même li a exécuté pour des gros chefs, gros autorités dans le même gouvernement, qui cause que la police n'a pas de résultat. Et c'est ça que faut, ouais, un pile policier actuellement là, a quitté le pays, dans le programme Biden, parce que yo-même, yo pas mal venu rentrer dans la bataille. C'est comme si ma goumé avec toi, peut-être pas, chaque fois que je mène une opération pour me capable de graser au groupe gang, l'aime reste arrivé, yo bam l'autre boum retourné. Ou soit, je ne pas de munitions, l'aime de renfort, yo pas venu. Il y a un découragement. Or, pour capable de rendement en termes de police ou bien sur la question militaire, il faut que capable de encouragement, non seulement pour prendre de risque, qu'il y ait des conditions de travail respectées, ou regarder pour la police à faire manifestation parce que par insécurité. Ou bien la justice qui a demandé justice parce que il y a des avocats qui pas qu'à joindre justice. Donc actuellement là, c'est comme si toute société a ou bien toute institution qui était capable de camper société a pour faire face ensemble avec genre de phénomène ça yo, yo vinn trouver dans une situation extrêmement difficile. L'église qui c'est morale population ou elle qui ça tombé dans convivance ensemble avec bandi ou gars qui là nous connaît qui ça la couille représenté dans vaudou, c'est eux même qui bail bandi point pour yo pas prendre balle. Donc c'est comme si nous pays a actuellement fait face à ça avec un phénomène peut-être qui était capable d'aller un élan pour changer toute bagaille. Yon élan côté que les trois nèg nous accepter mais tête nous ensemble pour dire hey guys, en nous penser qui gens que nous capable améliorer en saisir crise ça qui vient là comme une opportunité pour nous relancer Haïti sur tout plan. Laisse nous bon plan de développement, nous gain des politiques publiques qui rédigées dans chaque domaine pour permettre que l'État lui-même est capable de résoudre l'inégalité sociale et puis venir avec bien-être pour société. Pascal Iwinski, m'a pas connaissé na fond relance Iwinski. Bon, OK, bam tande Iwinski, bam tande Iwinski sur ça. Bon, avant tout, Gambilba nous dit là qui est assez intéressant sur le sujet de l'État.
Même parce que l'important pour nous d'avoir dit avec précision, l'État haïtien que nous gagnons là, c'est qui visage lié, c'est qui type de l'État n'a parlé. Parce que en sciences politiques, il y a toujours dit que l'État est au-dessus des individus qui la composent. Parce que l'État, c'est qui ça? L'État, son forme abstraite, qui vient concret par des institutions, qui formées par un ensemble bureaucratique, qui gagne une équipe mission bien déterminée. Mais maintenant, si on fait référence à l'histoire pays, hein, parce que le vrai problème, non, c'est le problème de l'État, parce que c'est ça, et origine des bails. Si on fait référence à l'histoire pays, hein, l'État haïtien, qui sont l'État, je suis capable de dire qui encore colonial, on est un néo-colonial, parce que c'est un État qui kembe tous les vestiges, toutes les pratiques coloniales, toujours kembe au dans l'Italie. Maintenant, l'État, ça, qui était toujours entré dans la logique de favoriser l'exclusion sociale, dans la logique, je suis capable de dire que pour penseurs latino-américains et les centres périphériques, c'est-à-dire l'État qui est hyper centralisé, qui oublie les zones et reculées. Maintenant, type de l'État, ça, parce que il pas qu'à répondre à genre de problématique ça yo que qui gagne là c'est faut nous pas résumer problème là à un individu ou à un groupe d'individus son changement total capital qui pour faire dans l'État même c'est-à-dire son autre forme d'État pour que nous même nouvelle génération hein, nous accoucher pour gérer une série de problèmes parce que en relation internationale, le bon principe qui est clair, les États n'ont pas, tout à l'heure, de représentatrice là, et t'as parlé de les amis d'Haïti, c'est vous, son concept est toujours avancé. Moi, m'a pris un peu doucement, un peu jaunement, comme on dit. En relation internationale, le bon principe qui est clair, la donne, tout n'est qui fait relation internationale, et sous panel là, il y a de l'autre internationaliste. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et Henry Kissinger, qui est un grand architecte de politique étrangère américaine, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle, monsieur le secrétaire d'État Nixon, monsieur le grand poste sous différents gouvernements, monsieur allait plus loin pour dire, les États-Unis n'ont pas d'amis, ils n'ont même pas d'ennemis, ils n'ont que des intérêts. Mais maintenant, international là lui-même, il faut garder position claire. International là, nos batailles géopolitiques, avec un empire qui existait qui a pu retourner, qui c'est l'empire russe qui a pu retourner sous quelques formes. International, là, nos batailles économiques avec un autre empire qui existait, qui c'est l'empire chinois, qui a commencé par passer, soit regarder échanges commerciaux et économiques en Amérique latine, actuellement là, près de 40% des exportations et des importations de l'Amérique latine faites en direction de la Chine. Donc la Chine a une place prépondérante. International là, que n'a parlé de l'IA, c'est l'Occident. L'Occident qui est tiré dans mes noms batailles géopolitiques pour empêcher ni la Russie, ni la Chine parmi les pays là. Et il y a un pays qui est intéressant pour eux, c'est Haïti. Donc Haïti doit n'en tête pas pour tirer de l'influence. Donc, il y a même pas d'intérêt, il y a même plus gérer ça qui a passé là. Faut nous dire ça clair, il y a pas d'intérêt pour gérer le problème. D'ailleurs, le problème, il y a la base de l'île. Il y a la base de l'île d'une certaine façon. Majorité de qui dans la classe politique là, qui est un peu responsable de ça, dans vivre là, l'international là, t'es protégé, l'international là, t'es protégé au pouvoir, l'international là, t'es défendu, etc. Donc, je pense que vrai et dynamique qui pour côté, je pense que c'est une nouvelle génération qui pour dire type de l'État carnassi, carnivore, type de l'État qui a crasé tout ça, il faut que nous changions. Parce que si nous faisons référence à la racine historique de l'État du Valérien de Michel Wolf-Trouillot, on peut clair que l'État haïtien, typiquement pas changé, 86, pas apporté aucun changement dans l'État. Aucun changement. Moi-même, je suis capable d'avancer sur base pour me dire sur principe question étatique là. L'État comme entité permanente, je suis capable de prendre la lumière du théoricien d'État comme Thomas Hobbes qui parlait de Léviathan, qui représente l'État comme un monstre, et m'a collaboré avec Max Weber qui parlait de l'État qui c'est celle détenteur de la violence légitime. Ça fait référence avec force et puissance de l'État à travers fonction régalienne qui est la sécurité, qui là pour protéger le territoire, là, des limitations territoriales supposées contrôlées par des forces de l'ordre, que ce soit par l'armée ou la police, eh bien, forme d'État ça qui est supposé là pour régulariser la société, eh bien, nous
tombé à faillite avant forme d'institution ça qui vient joindre l'état d'Haïti surtout entrer dans concept de dépendance par rapport au système international là et bien ça vient mettre nous en position côté que nous parler de ensemble de concept qui parler de souveraineté qui parler de l'armée qui parler des autres et bien pour autant à travers l'histoire nos victimes, parce que moi j'ai une position claire sur la question complot, nos victimes de connivence entre forme de l'État dans le produit et de l'international qui s'allie tout comme fonction. Vous autres, mon intervention qui est capitale pour nous, nous fait connaître qu'à chaque fois une puissance a monté, il y a une hégémonie, un ensemble de pays aux alentours ou bien des territoires qui sont toujours victimes par rapport avec l'expansion et vision coloniale, l'expansion coloniale qui pays ça toujours. Aux alentours toujours subi. Les États-Unis d'Amérique, je ne veux dire là, apprenant ça ou les pièces de décider dans les relations internationales, qui était fait pour la guerre du Péloponnèse, qui était opposé à l'histoire et à telle carte de comme puissance. C'est comme ça, moi, ouais, en gros, cette cité pour là aussi commencer un pire cartouné. La Chine ou l'Empire du Milieu, qui dit qu'il est même depuis toujours, qui sont puissants, qui ne sont pas séparés, eh bien, bien ça, vient faire les États-Unis, quand on pleure, étant tentaculé pour empêcher nous avancer dans une série de choses. Eh bien, l'intérêt géopolitique qui vient de gagner dans ça, c'est que s'il quitte la Chine, et là aussi, il y a plus d'influence par rapport à l'ensemble d'États qui gagnent dans le système international, là, eh bien, Haïti, y compris pour elle participer dans ça, il y a des prééminences, il n'y a pas qu'à gagner sur Haïti encore. Ça qui vient de rendre, même pays en folle gagner, t'as qu'on toujours considéré l'Amérique latine comme arrière-coli, dans travers 20e siècle, là, et aussi, c'est un auteur qui est toujours planifié. Comment les États-Unis de faire intervention qui c'est Henry Kissinger. Nous sommes de façon de faire intervention au Chili par le président Salvador Allende qui était pour un bombardement de Napalé en 1973 pour être installé à Augusto Pinochet. Nous voyons comment ils ont attaqué Cuba, comment ils ont attaqué Guatemala et comment ils ont attaqué Nicaragua tout qui toujours des problèmes avec eux. Eh bien, je dis à la Haïti lui-même, les victimes non seulement d'une faiblesse institutionnelle par rapport au effondrement de l'État de Napalé et puis les victimes de l'international là-tout qui mettez griffio d'ailleurs qui dit n'importe gens moi même nous pas quitter Haïti jeune émergence finance ça nous pas quitter Haïti solliciter dans ça et ça fait n'a pas cabaré nous de toute institution n'a placé moun nous voulez de quoi quelque soit décision prend il y a en faveur de nous-mêmes c'est nous-mêmes j'en dis là c'est nouvelle génération pour qu'on remise en question de modèle d'état nous voulez construire pour nous prendre ça nous les destins politiques économiques nous en main pour nous pas qu'on prolonge la continuité, nous te prenons par rapport à dumping, nous te prenons 70, 80, 90 pour arriver dans sa nuit là. Parce que qui ça me dit? Nous prenons une période côté que les transitions de Duvalier père à Duvalier fils, à Duvalier fils, qui nous prenons une période côté que nous parlons victimes de ça, ou il est de néolibéral au niveau international. Côté que l'institution Bretton Woods a relancé l'économie par rapport à la crise pétrolière qui prend en 73 et 79, eh bien, l'institution Bretton Woods avec néo-libéral a imposé à travers FMI et Banque mondiale des frais d'ajustement structurel. Côté que Haïti lui-même a victime de ça avec du Duvalier fils, eh bien, même crise a pral entré en 86, même système n'a toujours été malgré du Duvalier aller. Ce qui me retrouve dans sa rivière, c'est que 86 pas changé, il est vraiment vrai. Même crise ça va arriver, nous pas une augmentation de dette qui va exagérer encore nous et dans moment nous pas une plus instabilité politique dans période de temps ça nous pas ta une constitution qui refaçonner modèle d'état nous gagner dans ça tant on va prendre nous un dumping économique avec produit national là qui va écraser production nationale va écraser du moins immédiatement production nationale écraser dans phase ça et bien nous pas gagner ça arriver importation de produits extérieurs qui va paraître fois en abri dans laisse nous va avoir deux comptes dans dollars ici à côté que 5 gouttes pap carré égal en dollars encore nous va avoir 5 gouttes 10 5 gouttes 15 cop qui ajouté sous lui et bien dépendance sur ça va le faire marcher nous envahir au détriment de production nationale du moment que pas une production nationale paysan pas qu'à travailler dans jardin encore et bien va avoir exode rural massif interne et externe côté que paysan va aller à travers bot people phénomène ça va développer pour nous. Nous avons un exode rural qui a sorti de paysans qui a rentré dans la capitale là, pour voir bon montée démographique et mounsa qui va pas répondre à l'ensemble des besoins, même mounsa va créer des frustrations et va gagner des politiciens qui a développé tout par rapport à la vulnérabilité mounsa ou va le jouer à travers des politiciens qui va financer dans le cadre d'activité qui est international là pour y avoir un même souci pour reproduire le système là encore. Et en parlant de contrôle géopolitique que les États-Unis a fait là,
Comment nous considérer démarche et leader parti petit et parti politique petit de Saline Moïse Jean-Charles depuis dernier jour ça yo et li fait conférence de presse côté que li gon démarche l'a suivre là li gon ligne l'a suivre pour rencontrer différents leaders. Nous ka considéré pays de gauche la Russie Venezuela li fait connait que li a pour parler avec eux. Donc pour nous-mêmes et par rapport avec intervention nous là nous est-ce que c'est temps perdu, est-ce que c'est comprendre c'est démagogie politique li l'a fait bagaille pas la régler mais au fond États-Unis pas jamais bail Haïti et surtout moi je sens li pas gagne qualité li pas gagne autorité tout pour ta prendre décision dans nos pays hein? Est-ce que nous rete quoi démarche moi je sens li pas abouti avec rien Mark and Love. Bon, en fait, globalement, il y a une controverse dans la démarche Moïse Jean-Charles, lui-même, il n'y a pas tout prendre. Nous pas dire préalablement que ça n'a pas abouti à grand-chose, parce que nous connaissons politique, lui-même, c'est dépendamment de qui méthodologie ou qui stratégie, qui orientation qu'on bail, il est capable de bailler des résultats. Et d'ailleurs, c'est une raison qui fait toujours qu'il y a plusieurs tendances politiques sur scène internationale, là, même si nous connaissons et avec ce phénomène de mondialisation qui voulait imposer la démocratie sur la scène internationale comme système politique idéal, et lui toujours fait obstacle avec des systèmes de communisme ou bien qui opposaient et ensemble avec lui. Donc, il y en a un bagage que nous sommes capables de garder à partir de l'image de Moïse Jean-Charles, c'est que la communauté internationale, là, ils ont impliqué. D'ailleurs, nous connaissons crise pays qu'on est actuellement et les vins empirés avec assassinat président Jovenel Moïse. Et selon dire, donc, assassinat ça, les mêmes les camoufler tout sur une éventuelle relation diplomatique qui était capable de gagner ensemble avec la Russie. Et géopolitiquement parlant, nous connaissons une région ça, Haïti, les mêmes style considéré comme arrière-cour des États-Unis. Donc, influence américaine ou bien politique américaine, mieux qu'il y a une région caraïbes, Haïti, lui-même, d'ailleurs, c'est une région qui fait l'occupation américaine en Haïti. Et depuis le Sahara, toujours, il y a une mémise, un contrôle. L'on a regardé les méthodologies ou bien façon que les dirigeants arrivent à accéder au pouvoir dans le pays. Et si on a regardé même dans la période de transition, qui est-ce qui toujours qui contrôle le pays là, ou regardez, c'est des mondes qui ont connexion ensemble avec l'Amérique. Donc, accepter ensemble avec un leader politique qui de gauche ou bien de droite, d'ailleurs, par contre, ça veut dire en Haïti, parce que même les guides ou gauche, on va regarder l'action, ou après, c'est comme si ils sont droite. Donc, en quelque part, on a dit, c'est des nègres qui doivent être gauche en même temps, et dans l'action qu'ils ont même mené. D'ailleurs, soit suivre la révélation qui est toujours faite des données que ça a eu, ou après, ils ont un impact énorme. Donc, et gagner n'importe qui position politique ou bien aller essayer établir des relations ensemble avec la Chine, ensemble avec la Russie, c'est pas ça qui est plus important. D'ailleurs, il est toujours clair, Haïti est doué qui ont position pour qu'elle est capable de tirer le maximum que possible dans le moment où les États-Unis et la Chine et la Russie eux-mêmes ont gagné une différence sur question Haïti. Par exemple, dernièrement, avec pile article qui était sorti dans New York Times, Haïti était qu'à profiter positionnel tant qu'on peut-être la Suisse ensemble avec yon diplomatie avec une question de neutralité pour capable tirer le maximum de profit, parce que certes nous gagnons des parties coloniales ensemble avec la France et la France lui-même est toujours présente dans le pays et les États-Unis n'a toujours pas accepté ensemble des bagages, mais même gens que la Chine les mêmes li utilisent route de la soie pour le capable entrer en Amérique, le capable venir dans les Caraïbes. Par exemple, la République dominicaine, il y a une relation d'un diplomate qui représentait pour Haïti et en même temps la République dominicaine pour qui représentait la Russie. Donc, il est accrédité en République dominicaine. Ça veut dire si la République dominicaine a une capacité pour permettre qu'elle soit capable de faire un double jeu, pour qu'il y ait un niveau de représentation, ou bien des relations commerciales et diplomatiques avec pays qui opposés avec les États-Unis, nous-mêmes, dans une perspective bien planifiée, calculée, nous-mêmes, nous sommes capables de faire. Sauf que nous connaissons des abolotchou politiques qui gagnent en Haïti. Ça veut dire, l'on a regardé qui plan est gagné,
et discours moun nan li menm li apone a, est-ce que action ke li a pose li rime, est-ce que vraiment pa gen yon décalage? Parce que c'est pas ou pa ka décider comme ça et puis ou just dit voilà, nous même n'a projeté les États-Unis et genre de discours ça yo, c'est pas ou même qui pral vraiment porter solution ça avec sa population en besoin. Au contraire, ça ka vinn ban nou plus problème. D'ailleurs, nous connaît Cuba qui était font pile résistance actuellement là, il commence à plâcher. Nous connaît Venezuela par exemple qui position qu'il te gagne parce que la puissance américaine, il veut dire ça le média. Et actuellement là, est-ce que nous parler par exemple pour nous capable gagne un embargo? Si toutefois les États-Unis lui-même viennent. Moi, je pense que la meilleure méthode là, c'est de développer des coopérations sud-sud avec des pays qui sont capables d'aider nous sans que nous ne pas ignorer la puissance américaine, nous ne pas ignorer la puissance de l'autre pays qui gagne sur la scène internationale, pendant que nous avons développé des relations, des coopérations pour nous attirer le maximum de profits. Et Pascal, qui intervention, qui approche, a fait les deux points? En effet, moi t'as quitté Yves qui a avancé plus sur ça par rapport à question de gauche et de droite avec Moïse Jean-Charles et après même m'a fait intervention par nous. Pas de problème, on a les Yves qui en ont avancé. Bon, sur question de Moïse Jean-Charles, là, je pense que ça a une importance capitale pour nous-mêmes qui observateurs, qui acteurs de la vie nationale haïtienne. Parce que, peu importe ça, mon Tekadi, mais n'importe initiative, y a acteur dans la vie politique de rapport pour essayer d'améliorer la chose ici, c'est bienvenu. Maintenant, et discours, bon, les gens s'en allant lui-même, il y a articulé autour de questions, développer plus rapport sud-sud, notamment en Amérique latine. Et nous connaissons actuellement là, il y a un virage à gauche assez important en Amérique latine. Même si c'est un coup d'état parlementaire là, et au Pérou, ben, nous, et Luis Arce en Bolivie, nous, et Gustavo Petro en Colombie, nous, et le retour de Lula au Brésil, etc. Donc, et articulation et reconfiguration de gauche, ça, sont des configurations qui est assez importantes, on est capable de dire pour et zone non, mais tout qui est capable de bailler un coup de main à Haïti. Parce que Petro-Caribe, ce n'est pas une initiative de droite qui te permet à Haïti de bénéficier de lui. Bien entendu, on peut dire que il y a un gaspillage qui fait avec l'argent, etc. Mais on va parler d'initiative. Ce n'est pas une initiative. C'est un gouvernement de droite qui décide de mettre tout volume de l'argent à la disposition d'Haïti. Son gouvernement de gauche qui est conscient de la réalité sociale haïtienne. Non? Et c'est ça le plus important. Généralement, le gouvernement de gauche est conscient de la réalité sociale, il est inscrit dans ça. Qui fait nous déjouer l'accès à la question Petro-Caribe. Hein? Donc, ça est très, très important. Et je pense que les démarches, moi, j'achète là, lui-même, est très, très important. Mais maintenant, en ce qui a trait à un jeu international qui gagne sur Haïti, moi, je pense que l'important pour nous, comprendre exactement qui sont les ennemis. Parce que l'impérialisme occidental, de manière générale, sur n'importe qui forme liée, américaine, canadienne ou française, sont impérialismes qui ont un objectif bien précis. Soumettre un série de peuples en utilisant des élites. C'est ça l'objectif de l'impérialisme. Soumettre peuple pour abuser les élites. Tout pas l'empire qu'on a fait avec le dossier Haïti, etc. Mais qu'on connaît clairement que le problème n'a pas résolu tout autant, il n'a pas décidé fermement de relayer sous élite politique et économique d'un pays. Mais maintenant, juste pour montrer nos deux façades que s'il y a des problèmes dans tout bon feu, jusqu'à l'os, il prend des petites sanctions à droite et à gauche qui ne peuvent pas tout faire réel sur la vie politique haïtienne. Donc, mais nous avons intérêt à ce que la situation est lui-même limitée, j'en ai. Et nous-mêmes, tout, en tant qu'acteurs de la vie nationale, nous avons obligation de nous positionner, nous, par rapport à un certain nombre de monde qui parlent du bien pour Haïti. Parce qu'il faut comprendre ça. Système néolibéral, là, son système capable d'investissement direct étranger à tout bout de champ, son système capable de concession, son système capable de lever barrières douanières, mais son système qui n'est pas jamais du tout, quantité de pauvreté que ça produit, quantité de misère que ça produit. Et Haïti, son exemple, sur l'occupation américaine d'Haïti, tout le monde qui connaît l'histoire comme ça,
à essayer de renseigner sur combien de chardas est volé dans le nord pour produire, pour faire pit, pour faire pit, et pour l'armée américaine qui a joué pour code sous bateau. Lorsque la marine américaine a fait rénovation bâtiment de guerre dans les années 20, elle fait recherche sur ça pour qui gens ça des dépossédés. Et les paysans du Nord. D'ailleurs, c'est Castor dans l'occupation américaine d'Haïti, bien allé sous ça. Donc, nous avons un système impérialiste occidental qui est en face de nous. Et nous-mêmes, nous devons, en quelque sorte, porter une réponse à ce système. Ça. Mais tout le monde dit que nous ne pouvons pas faire contre la puissance américaine. Venezuela, sous Chavez, retire 6 millions de monde dans la misère avec la puissance américaine dans toujours la rue. Dernièrement là, sous la présidence et du prédécesseur de Luis Arce, c'est combien de millions de monde qui sont dans la pauvreté en Bolivie? Et que l'amélioration de gauche qui fait dans tous les différents pays d'Amérique latine. Donc, je pense que c'est derrière le fait que la puissance américaine n'a pas affronté, etc. Je pense que c'est passer pied sur toute lutte sociale que tout le monde. Dans toute histoire pays ça, de Dessalines passé par Charles-Marie Peralte, fait pour libération nationale. Je pense que c'est insulté et figure de vous, ça. Pascal? Oui. En fait, je dis, dans la position PAM, moi, Jean-Charles, comme un leader, parce que je suis un comme un leader qui vision pour candidat à la présidence, c'est normal pour le montrer dans l'action PAL sur l'arène politique là. Tout autant qu'il y a une diversification dans les relations diplomatiques nous avec différents pays qui ont différentes tendances, qui apportent un équilibre dans la forme de représentation à ça, nous les produits pour ce, comme projet société. Il est vrai que des démarches liées au avant tout personnel qui entraînent influence d'opinion publique, qui peut mener avec question sondage les pour période électorale arriver. Mais des démarches là, l'Europe, nous d'accord avec lui par rapport surtout dépendance nous vis-à-vis des États-Unis qui mettait nous dans une situation qui produit une blancophobie là qu'nous qui vraiment détesté par rapport à observation les moins jeunes par exemple à l'université dans tout discours Jean-Yves qui dit là si nous pas parler des États-Unis c'est comme si nous pas délivrer nous de ça nous hier et pour les États-Unis d'Amérique comme puissance impérialiste il pas besoin permettre nous sortir dans ça nous parce que nous toujours dans intérêt. Nous avons intérêt depuis notre dumping économique pour caser la production nationale. Nous avons intérêt, nous avons une instabilité politique par rapport avec la passation de drogue. Nous connaissons bien qui traverse les Caraïbes, qui traverse l'Amérique latine. Ou à jouer Big Pharma, Johnson & Johnson, Novartis, grande institution pharmaceutique pour produire des médicaments. Nous avons intérêt, nous avons un contrôle territorial, nous côté que ça nourrit les zones économiques exclusives dans le droit. Dans les droits de la mer, pour ne pas contrôler, pour ne pas pêcher, pour ne pas entrer dans sa économie bleue, pour ne pas servir avec ça, pour ne pas répondre à besoin de la population comme l'État providence, eh bien, diversification ça de Moïse Jean-Charles, lui a permis et facilité Haïti gagner différents rapports diplomatiques, côté que nous capables de défendre nos intérêts, dans chaque nation, ça, que moi-même, pas un problème avec lui du tout. Peu importe Moïse Jean-Charles, de gauche, t'es de droite, nous toujours ça, les États-Unis d'Amérique, les parlent de républicains ou de démocrates, c'est les États-Unis d'abord, ils ont comme intérêt. C'est-à-dire qu'un leader politique, peu importe position, depuis ça l'a fait. Ou bien, qu'on prenne selon le proverbe, quel que soit la couleur de la grue ou bien le noir, depuis qu'on a mangé souris, c'est ça nous besoin. Si le résultat qu'on a porté à la population haïtienne ou bien l'État d'Haïti en soi comme entité permanente, eh bien, nous n'avons pas un problème pour nous avancer avec ça dans le cadre de travail. Ça. Vraiment, vrai, avec position, nous avons dit Dilma Rousseff, qui est président au Brésil, qui a fait une émergence politique, qui a mené en pile monde, dehors, nous avons cherché une relation avec les pays extérieurs, qui n'ont pas de problème. Je ne veux dire, même les États-Unis d'Amérique, qui entrent dans une logique, pareil, depuis une relation diplomatique avec un pays pas profitable, nous cherché un autre encore pour voir comment nous avons augmenté ça. Côté que nous sommes capables, les États-Unis ont mis en diplomatie de mépris envers la Chine, après que Mao Zedong ait fini remporter victoire sur le général Chiang Kai-shek dans la question révolution 1949, eh bien, ils ont méprisé la Chine sur scène internationale environ 20 ans, côté que c'est Chine Taiwan qui a gagné position dans le Conseil de sécurité, et la Chine a remplacé en 1970-72, avec surtout président et secrétaire d'État à l'époque, et Henry Kissinger, qui sont grands stratèges, qui te dit
dans le cas de nous, surtout pour nous mettre fin avec la guerre au Vietnam, nous avons besoin de la Chine. Parce qu'il ne faut pas quitter la Chine communiste totalement pour nous rapprocher de la Russie, l'Union soviétique à l'époque, qui c'est un rival de superpuissance nous avons à l'époque. Si les États-Unis lui-même cherchaient la Chine, non seulement ça pour être capable de marcher, mais tout que la Chine a profité avec Mao Zedong, côté qui a une émergence d'environ 700 millions d'habitants, qui a retiré dans l'extrême pauvreté pour vivre dans ça. C'est-à-dire que l'État du partenaire avec qui il a défendu des intérêts au niveau des relations internationales, ça n'a pas qu'à critiquer nous-mêmes au niveau interne pour nous dire relations que un président ou bien un candidat à la présidence a cherché pour développer Haïti, pas qu'à affecter nous dans ça. Chaque monde, dépendamment de qui sort, défend. Et depuis ça, qu'a défendu l'intérêt général, moi, qu'on est direct et positif et l'idiot dans ça. Merci un peu. Donc, Anou vini clair, monsieur. Anou vini clair. Ça, c'est la dernière question. Nous allons finir. Nous allons finir l'interview. Nous allons finir le débat. Et est-ce que, démarche Moïse Jean-Charles, nous-mêmes personnellement, nous rete quoi ces démarches leader qui a mené nous à bon port? Yon minute chaque monde, nous commencé avec Mark and Love. Est-ce que démarche Moïse Jean-Charles, pour vous, son démarche qui louable et son bagage qui a bien marché là, qui a mené le pays à bon port? Bien, moi-même, prends le soin d'avoir une intervention investie avec Pascal tout à l'heure sur question déjà. Et coopération sud-sud, c'est la meilleure stratégie qui a aidé nous à avancer. Et moi-même, prends le soin pour me capable de dire ça clairement. Tout ça qui est possible pour nous capable de sortir dans cette année-là, moi-même, m'accepter. Toutefois, faut que c'est des bagages qui bien pensés, qui bien construits. Parce que yon simple discours politique, c'est pas lui-même qui va changer le pays. Sinon, nous avons regardé tout le monde, les candidats déjà, dans l'élection qui passe, dans plusieurs postes, regardé le discours avec l'action qui est posée, est-ce qu'ils ont pas fait de connexion? Nous tout à fait d'accord que d'ailleurs nous devons changer le discours pour avoir un signal dans la communauté internationale là, que nous bouquons ensemble avec ça. D'ailleurs, il y a plusieurs milliers de manifestations depuis l'année capable de nous quitter 1946 et qui fait dans le pays pour capable dénoncer la présence impérialiste ou bien la présence corps groupe, par exemple, en Haïti. Mais pour qui résultat final? Parce que d'abord, ça qui est important, nous besoin un projet de société. Est-ce que discours, les papas plus ou moins camouflés dans un projet de société que nous proposons à Nation 1 pour nous capables de montrer qui ça que nous voulons. Parce que tout le bagage, c'est question de planification. Par exemple, le Rwanda, Paul Kagame, massacre qui était gagné entre les Hutus et ils ont même pas traité comme ça et puis ils disent bon, ok, mais qui ça m'a fait, mais ils ont de toi équipe et puis ils chita, ils ont plein, ils ont défini et actuellement, le Rwanda, c'est un pays qui est capable de dire mon avis à l'aise là-dedans. Donc, nous-mêmes, en tant qu'haïtiens, et il y a un monde qui a un simple discours. D'ailleurs, je l'ai parlé tout à l'heure, je l'ai parlé de puissance américaine, ou bien nous connaissons qui ça qui politique américaine dans la région spécialement. Et pas le fait que vous êtes hostile ensemble avec les États-Unis qui fait que vous êtes capable de changer le système non, ou bien financièrement avec une nouvelle stratégie. D'ailleurs, nous toujours connaissons l'élection la plupart du temps toujours truqué en Haïti. Et qui est-ce qui a même mis? Si vous n'avez pas fourré Bouchy dans l'élection, si les Nations Unies pas dit, puis vous n'avez pas voué des observateurs, c'est comme quoi l'élection n'est pas libre, pas honnête, pas démocratique. Qu'on y a ça, nous besoin. Nous besoin on en tête nationale, nous besoin des élites, même Jean-Claude Yves, qui se dit là, les gars qui ont toujours venu ensemble avec un discours, qui peut-être que rassembler un pilgrim par rapport à une idéologie politique ou bien par rapport à une aspiration, ça que tout le monde souhaitait, c'est que Haïti lui-même est capable de quitter les relations qu'il y a ou bien améliorer les relations qu'il y a avec les États-Unis, même les gens que nous sommes capables de possibilités pour nous capables de faire une relation diplomatique avec le pays. Mais toute bagarre là doit commencer par un plan, une stratégie qui est claire, un document, un simple discours, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Sinon, nous avons pris comme ça, nous avons pris bon Dieu et puis le pays a changé. Pascal, ou gen yon minute et le a privé sur nous, faut que nous dépêchions nous pour nous finir. Yon minute, Pascal, intervention là, c'est qui ça lié? D'accord, merci. Dans le cadre de marche projet société, et quel que soit de marche qui entreprenne pour aboutir à un résultat, dans ça, on a cherché comme objectif, eh bien, nous avons toujours discuté et gen problème avec forme dans ça, mais depuis fond, on a honnêteté là-dedans.
nous pas gen problème avec ça. Sauf ça moi gen un doute sur crédibilité et honnêteté Moïse Jean-Charles, c'est pas parce que lui-même en soi mais entourage, parce que yon leader qui a prôné ça dans approche li au vision et développement, moi bon bagage moi ka reprocher moi manque jeune l'idée de concession la caille. Parce que nous pas capable avancer en seul monde pas capable résoudre crise et problème haïtien là-dedans là, il a toujours fait des marches. Mais s'il n'est pas entendu avec différents acteurs dans le secteur de la vie nationale à côté que il y a une concession pour dire mais ça vient comme projet de société, s'il y a une modification ou amélioration, n'a mettre ensemble nous va joindre dans ça. Et ensuite tout, il y en a pas qui toujours jouer contingent Serge et guerrier sont mentionné là. Élection nous yo du fait que yo toujours influencé par rapport au système international là qui vient rendre même les discours li yo dit table concrétiser yo système li s'il pas li yo pour mettre avec li là toujours un problème parce que c'est sélection qui surtout fait Haïti par rapport à influence impérialiste là en Haïti c'est pas directement élection ça qui fait que moi gagne réserve sous démarche Maurice Jean-Charles qui n'a abouti à un résultat. Par contre si nous mettez avec li nous corrige pour jeune quorum pour nous capable joindre ça nous capable joindre résilience pour nous repousser ça qu'a fait là pour nous au moins une innovation dans démarche afin que nous garder des élections qui ca produit des résultats pour un projet de société de bonne gouvernance pour nous capable bonne stabilité dans pays là. Yovenski c'est qui position par rapport avec point ça? Bon honnêtement moi je pense que démarche moi Jean-Charles là est louable et est correct. Parce que dans la perspective géostratégique, les milieux populaires haïtiens ont plus que besoin dans ce moment-là de la gauche latino-américaine. Et ceci, sous tous les points, que ce soit dans l'articulation lutte environnementaliste qu'a fait actuellement là en Amérique latine, que ce soit sous question bataille féministe pour redéfinir la place de la femme dans la société panouan, que ce soit tout et dans lutter contre la pauvreté, que ce soit tout dans la représentation des minorités indigènes, parce que toute initiative qui est capable de permettre que les milieux populaires haïtiens, les classes politiques haïtiennes, non, peu importe, ou bien société civile haïtienne, non, et nous, des liens et des relations avec la gauche latino-américaine, toute idée ça, toute perspective ça, même, est louable et intéressant, parce que Haïti, dans la situation liée là, a besoin de la gauche latino-américaine, et plus particulièrement, pour lui-même, il est capable de comprendre comment est-ce que il a sorti dans la difficulté que lui a là. Parce que si nous faisons référence à l'histoire, il y a toujours une ligne directe entre différentes batailles et anti-impérialistes. Yovenski? Communication. Yovenski, ou là? Yovenski? Communication, elle est coupée, elle est perdue, pas édition. Mark and Love? Nous là, oui. Nous perdu Yevensky et bon, nous perdu Yevensky, nous pas connaît qui s'est passé, sûrement un problème de communication, pas beaucoup de parler. Et bon, là, n'a pas obligé à avancer, n'a pas obligé à avancer parce que faut que nous finis. Ensemble, nous sautons et différents problèmes qui a prolongé société, qui a prolongé pays, des problèmes d'ordre structurel et problèmes politiques, problèmes sociaux, problèmes économiques. Nous avons influencé la communauté internationale dans différentes décisions qu'a pris en dedans pays, influence les Nations Unies, influence OEA, surtout dans ce qui est pour avec élection. Moment arrivé pour nous passer avec des propositions. Problème yo là, si problème yo là, et tout normal, a bien solution. En tant que jeune, je ne jodi an la, qui constate que système nan, et son système qui empoisonne, son système qui gangrène, son système qui pourri, qui pas kabay résultat, c'est qui ça qui ka fait? C'est qui ça nous ka fait ensemble? Parce que nous besoin des solutions précises, nous besoin des solutions durables, nous besoin river jouen bout de problème sa yo, rive pote solution avec problème yo, et qui ça qui ka fait presse, rapide, pour nous rive ralon souffle avec problème insécurité, hein? Rive jouen yon entente, yon consensus politique qui ka mène à stabilité pour rive faire élection. Et n'a commencé avec Pascal, le temps pour Yevensky ta retourner faire contact yo. Et Pascal ou là? Oui, moi-même comme
Perspective, moi, gagne sur ça. Il y en a un premier élément que tu as qui c'est rétablissement de la souveraineté. Rétablissement de la souveraineté qui a passé par l'état de droit comme principe fondamental qui pourrait permettre de une restauration des institutions publiques, nous. Côté qui pourrait renforcer l'état et rendre l'état efficace et effectif dans l'action la bien pour mener à travers fonction du gain, fonction régalienne qui c'est responsabilité de l'état pour répondre à besoin population, sécuriser le territoire là et développer des partenariats avec au niveau des relations internationales pour définir ensemble d'intérêts qui sont liés avec progrès et avancement l'état d'Haïti surtout. Dans le cas de ça, moi t'apprends mais surtout pour nous jouer dans l'idée pour nous capables de gagner des hommes de caractère, des hommes forts qui campaient, l'homme dit des hommes, y compris des femmes, parce que l'administration publique n'a pas qu'à fonctionner avec la tête d'homme seulement. Les nous gardons des pourcentages, quota de participation et représentativité, ça, mesdames, vous représentez la politique actuelle, et des natures, comment ils impliquent, nous, ensemble de choses par rapport aux entrailles maternelles, eh bien, nous avons aimé un grand quota de participation et de représentativité au niveau des institutions publiques pour porter un équilibre, et ensuite pour redéfinir par rapport à la sensibilité sur le problème social, la crise économique qui a traversé le pays. Moi, je prends tout, il y a une restauration normale de l'armée pour qu'il contribue avec la question de sécurité dans le territoire. Là. Côté que, pour nous gommer, pour nous racheter l'autonomie vis-à-vis des États-Unis, parce que nous avons toujours constaté, l'armée fait commande d'armes pour capable rétablir la situation. L'ambassade américaine intime l'ordre pour la police prend d'armes pour l'armée pas arriver, je n'y. Alors que, c'est l'armée qui a aidé des situations difficiles comme ça pour nous gérer dans ça. On a jeune des hommes qui fait reconnaître tout comme privé, comment s'appelle dans la période transitoire. Côté que les États-Unis, pas financer l'élection, bien, Haïti comme pays souverain, l'a fait élection lui-même comme fiscaliste, il a commencé à faire des marches. Les États-Unis qui ont que vraiment des marches qui ont entrepreneur avant l'aboutir en solution. Li aussi va investir dans ça, bien des droits de regard, des droits de gagner, des décisions de participer dans ça. Ça, c'est un signe qui te prouve que l'État haïtien a triomphé dans la situation où il y a. Si nous travaillons pour l'État de droit, nous avons un équilibre dans la société. Côté qui peut permettre, à travers des politiques publiques de la bonne gouvernance, réduire l'horizon de corruption, nous avons un jeudi à la. Nous avons dit, nous avons dit, par rapport avec membres d'administration publique là, pour éviter question corruption. Nous avons intervention au niveau de la classe populaire. Sous sacré les représentations sociales pour nous bailler à quartier plus défavorisé institutions publiques qui c'est l'école sanitaire pour répondre avec besoin sanitaire pour réduire le taux de natalité qui traversé les populations. Il est bon encore dans la politique publique pour nous gagner pour nous avancer dans ça pour rétablir la question cantine populaire, pas seulement bailler manger dans des restaurants communautaires, mais aider les jeunes des formations professionnelles tout pour être capable de répondre à l'autonomie, pas au pas seulement pour tes ambas tout le temps, pour dire que c'est tel talent, jeune n'a gagné, je dis à la seconde des âmes, malgré le bagage de formation militaire. Nous avons vraiment la proposition pour l'État, font intervention qui est juste et doit côté que, à l'avenir, 10, 15, 20 ans à venir pour Haïti, pour stabilité, pour nous entrer dans une période de gloire, même si nous ratons en pile, mais dit pas trop tard, pour Haïti, tu es capable de faire un rattrapage tout dans une révolution, capable de dire au niveau de la mentalité et même industriel pour nous capables faciliter tâche pour pays à plus génération 4000. Merci. M'a connait Sirvenski là, m'a pour prendre question pour lui, question pour nous finir. Qui ça nous a fait pour se presser rapide pour nous river à long souffle avec problème insécurité, la vie chère, river faire élection pour nous recamper institution yo en dedans pays. Bon, et bon, faut me dire excusez pour tout à l'heure, et un seul coup, interprètement d'hérité lié. Bon, en ce qui a trait à, ça n'a pas supposé faire. On a pensé que, pressé, pas gagné, qui a résoudre crise multidimensionnelle que Haïti a fait face à lui là. Pressé, pas gagné, qui est capable, et ranger bagaille. Mais pourtant, on pense que vraie solution, c'est, par rapport à l'histoire du pays, ça qui était toujours mettait la grande majorité de la population de yon en jeu politique national là. Moi, je pense que la vraie solution, c'est faut que tu aies un mouvement politique honnête et patriote qui prend
et pouvoir nommer l'État là, parce que ça qui là, pour que votre transformation qui fait au sein même de l'État, ça, par l'avant-garde éclairé. Et que l'avant-garde éclairé, ça, bah, nous mettons dans le point de vue économique, au point de vue social, pour transformer l'économie, hein, pour remettre l'agriculture nationale sous l'eau, pour remettre l'industrie nationale qui te touche, qui pas de jambes pour aller au sérieux, pour reconstruire ou bien pour innover, mettre le sous-pied, et puis pour redéfinir et surtout, redéfinir relations nous avec partenaires internationaux. Il faut nous sortir dans la logique néocoloniale, ça, côté que centre de décision, yo, pas en Haïti, yo Washington, yo New York, yo dans l'ONU, dans l'OEA. Il faut reprendre en main la souveraineté nationale. Souveraineté, ça a nous perdu depuis 1915, depuis l'intervention américaine en Haïti. Il faut nous reprendre souveraineté, ça a, sous une base de représentativité des masses et sous une base de progression économique de la société haïtienne dans son ensemble. Mark and Love, et dernier mot pour nous avancer. En fait, globalement, et sans faire tautologie, moi-même, bon, c'est que tout problème qui existait, te mettre dans la relation entre mon et mon, ou bien entre institutions, li trouver dans la base de communication. C'est un manque de communication. Donc, pour résoudre ça, il y a deux états. Parce que nous, on fait face à ça avec une crise multidimensionnelle. Et la plupart du temps, c'est ça qui est toujours posé comme problème, nous toujours agir sous cause que nous gardons finalité au lieu que nous allons garder origine problème. Et à chaque fois que nous faisons ça, l'a toujours posé problème parce que sous cela, nous ne pas garder pour nous boucher automatiquement pour problème qu'à résoudre. Donc, on regarde, ouais, nous fait des interventions, des politiques pompiers, nous aller dans le canal là, nous retirer Fatra, sans que nous parlions compte qui côté Fatra sorti. Est-ce que c'est poubelle pour nous mettre pour nous ne pas la gueule dans le canal là encore? Pour permettre que le canal là lui-même n'ait pas jamais de Fatra, l'en fin retirer. Je pense qu'il faut que nous capables d'utiliser une méthodologie qui est extrêmement importante. Et communication, hein, c'est on l'idée passer pour un dialogue national. D'ailleurs, c'est ça qui cause que nous arrivons jusqu'au côté nous là. C'est qui ça que nous voulons, qui orientation que nous voulons par le pays. Et même Jean-Yves qui se dit, nous connaissons toujours plusieurs positions idéologiques, parce que tout le bagage est fait avec une pensée unique. Mais nous devons aller dans une ligne de progrès, une ligne de patriotisme, côté que nous connaissons, nous capables de mettre tout. Et Pascal se parle en pile, proposition, même j'ai ensemble avec Irveski. Mais yo tout yo doit rentrer dans seulement état de droit. Depuis où rentrer dans état de droit, il dit exactement ça, il doit dire. C'est que c'est la loi qui va le mettre en application. Nous avons tout texte de loi là. Nous avons une constitution qui est très claire, qui dit tout ça doit être fait déjà. Mais nous pas jamais gagner un gouvernement ou bien nous gagner un président qui vient qui dit OK nous va mettre en application tout ça. Pour qui ça? Parce que depuis au départ dans pays nous toujours en bataille. Mais l'arrivé au pouvoir pas régler rien, celle ça là pour faire c'est garder comment il garder conserver pouvoir ou soit pour capable renouveler tête dans pouvoir sans que il pas chercher bail résultat raison que lui même il là. Et ça c'est un gros problème que nous devons résoudre depuis à la base parce que on manque d'appartenance à pays. C'est comme si nous gon pays en transit chaque nèg ap travail. Par exemple manifeste du parti d'entente populaire que Jacques Stéphane Alexis lui-même lui écrit, il fait des propositions extraordinaires et même genre avec un pilote parti qu'un pays a qui dit mais qui ça qui empêche que par exemple nous gagne deux grandes tendances politiques dans pays qui a réfléchi vraiment pour développement économique et social capable fait pour capable gagner une solution ensemble avec problème inégalité sociale qui posait dans pays depuis pas mal de temps. Donc c'est parce que nous pas accepter communiquer ou soit aller nous communiquer nous pas honnête yon ensemble avec l'autre ou soit nous pas grand plan qui définit vraiment pour pays a. Et là c'est là pour nous commencer et puis pour nous capable résoudre problème chaque problème qui est dans chaque secteur en élaborant des politiques publiques bien définies. Entre instabilité, problèmes politiques, insécurité, eh bien, je dis, oh, nous te gagné, yon ti parlé, nous t'a fait avec différents jeunes garçons, haïtiens conséquents, qui yon même,
yo mettez savoir yo yo mettez connaissance yo au service de la communauté haïtienne pour yo parler pays pour yo poser problème yo et ensemble chercher river proposer des solutions sous différents problèmes qu'a plongé société. Réflexion il était faite et autour de différents problèmes, différents et points qui vraiment dominent l'actualité hein, depuis 86 jusqu'à jeudi hein. C'est qui côté nous y a avec instabilité politique là, qui côté nous y a avec problèmes politiques paysan, insécurité avec influence internationale là, ça c'est extrêmement important. Sous panel là, nous t'ai gagné Pascal Philippe, juriste internationaliste, nous t'ai gagné Irvinsky Pierre, anthropologue internationaliste également. Nous te gagné Mark and Love Glorgens Guerrier qui c'est internationaliste. Ensemble nous t'a fait débat, nous t'a parlé pays, nous t'a rivé garder qui ça qui ca fait pour retirer Haïti côté li là. Messieurs, merci pas suffit pour me dire nous, pour disponibilité nous, pour temps nous mettez et au service de pays hein, de émission, de audit et auditoire là. Donc c'est un véritable plaisir pour me passer moment ça avec nous. Moi remercier nous chaque qui là indistinctement et m'espérer à bien l'autre occasion encore pour nous continuer parler pays, pour nous continuer de faire débat et river et des moun yo comprendre intérêt yo gagner pour yo rentrer dans vie politique paysan, pour yo prendre des décisions comme chaque grand haïtien, yo gagne mot pa yo pour yo dire en tant qu'haïtien yo gagne des droits, yo gagne des obligations et li extrêmement important pour genre de débat ça yo gens et de discours yo pour moun yo continuer tande yo pour moun yo chaque jour tande des jeunes qui compétents, des jeunes qui gen bagage intellectuel qui ka partager avec yo et c'est pas seulement garder en l'état. On l'état pépère côté que yo pour paquet de moun mette dans institution en pile nan yo pas compétent pile nan yo pas ka fait travail alors que nous gagnons jeunes garçons, nous gagne des moun qui sérieux qui te ka mette et toute compétence yo au service de pays. Et merci Mark and Love, merci Pascal, merci Irvinsky pour disponibilité nous et dernier mot c'est qui ça la pied. Mark and Love, n'a commencé avec vous même. Ben en fait dernier mois d'abord je voulais remercier Yannick pour cette belle émission et me remercier les collègues qui t'ont partagé panel ça ensemble avec moi pour nous être capable de faire échange. C'est que nous connaissons tout temps que nous ap viv gen l'espoir, mais tout simplement l'espoir c'est nous mêmes pour qui contribuer pour ça les mêmes être capable de vivre matérialiser tout bon parce que nous c'est haïtiens, nous c'est des jeunes, faut que nous capable impliquer. On nous garde comme un chaque là, nous avons mis un petit cal dans ça, nous avons de bon à la disposition de pays, de communautés, et puis ensemble, nous avons contribué à améliorer. Parce qu'il y a un petit simple geste capable d'impacter un peu le monde, et c'est ça qui est toujours fait. Pascal, dernier mot, c'est qui ça lié? Je dis merci nous chaque avec nous tous, spécialement avec la présentatrice Yannick qui t'a invité nous participer dans ce cycle d'émission, qui te permet de nous gagner un niveau implication par nous, au niveau idéologique d'abord, puis. N'a pas pour nous passer par l'action sur le terrain, même j'ai un pile l'autre jeune fait, et nous faisons toujours à travers différentes organisations que nous participons dans eux, spécialement moi-même qui suis coordonnateur adjoint, organisation que j'ai à charge un acteur pour le changement, qui a évolué dans le domaine du changement dans tout aspect, j'en dirais, comme des jeunes acteurs, pour voir comment nous sommes capables de porter amélioration, pas seulement au niveau idéologique, mais dans l'action concrète, dans mener sous terrain tout. Dans le cas de ça, m'a encouragé à impliquer plus jeunes haïtiens surtout participer dans ça par rapport à un élément qui est fondamental, qui c'est nationalité nous, qui c'est haïtien. Ou haïtien que de sol qui du sang, quel que soit côté ou haïtien, ou bien intérêt pour impliquer dans le développement et avancer pour Haïti. Parce que dans quel que soit territoire où vous, dans quel que soit programme de politique internationale qui c'est Biden ou tout à là-dedans, les que Jean Proverbe Créole l'a dit, la caille c'est la caille, c'est la caille pour nous prendre soin. C'est là qu'on peut travailler pour nous recommander d'améliorer les conditions pour ne pas besoin de sortir à l'été. Merci beaucoup. Irvinsky, dernier mot, c'est qui s'allie? Bon, avant tout, je profite pour me remercier la présentatrice là, et Yannick qui t'a invité, mais avec tout panéliste, tout collègue qui t'a partagé le panel là. Bon, moi-même, je dis pour moi, dernier mot, c'est en tant que jeune garçon qui a vécu en Haïti, qui, malgré une situation très difficile, dernier mois, c'est avant pour jeune, pareil, moi, yo. Donc, c'est une simple phrase d'un anthropologue sénégalais, Tchikanda Diop, que m'apprécie en pile, qui était toujours dit,
notamment ça est important pour nous parce que Haïti nous actuellement vivons une crise multidimensionnelle, la crise de l'identité, la crise économique, crise politique, crise sociale, y a multiples de crises sociétaux, etc. Parce que j'entends que Tchekanta Diop t'es toujours dit et jeunes de mon pays, armez-vous de science jusqu'aux dents. Donc c'est ça m'a dit jeunes, yo, armez-vous de science jusqu'aux dents parce que je pense que vraie solution à problème, yo, c'est dans l'analyse, c'est dans le débat, c'est dans la recherche, c'est dans la connaissance. Merci. Merci, merci pour disponibilité, nous. Nous avons croisé l'autre fois. Et à très bientôt, monsieur. Je pas vraiment dit grand-chose, je vais dire encore. Tout ça que vous avez dit, vous avez dit, et pendant le débat, vous avez dit pendant différentes interventions qui t'a fait, yo. Mais vous avez dit extrêmement important. Ma pour reprendre et ma pour reprendre dernière pensée que Yvens qui quitte nous avec Lian de Check on Ta Job. Jeunes de mon pays, armez-vous de science jusqu'aux dents. Question éducation, pas de blague là-dedans. Pour un pile monde, l'on a l'école, ou fait études, ou prend diplôme, ou prend licence, ou fait maîtrise, ou fait doctorat, c'est folie ou rien, c'est folie parler français, c'est folie intellectuelle, c'est folie juger. En Haïti, me fait remarquer ça. Gen yon pile haïtien ki gen problème à moun ki a l'école, moun ki éduqué. Gen yon pile moun jounen jodi an nan mitan société ki gen problème avec moun ki éduqué. Et pendant l'élection 2010-2011 yo, avec Martelly, madame Aniga, yo souvent dou moun ki éduqué, madame sa vire toune vin parler français, vin faire juju, etc. Ba nou fait expérience son vagabond. Nan pren vagabond jounen jodi an la, ou tande tout chay insécurité an, yo pren tout yo la gueule sou do PHTK, 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 PHTK. Le pourquoi? Parce que nou te choisi volontairement pren un vagabond pour un moun ki pa konnen rien nan politique, pour un novice, vin mette nan te pays an. Bon, jounen jodi an, madame Aniga, li fait partie de au conseil de transition, bon, c'est tout un débat. Qui ça l'a fait là, qui place, etc. Donc, tout ça pour vous dire que, question éducation, connaissance, il pas vendre dans le marché. Pas grand-rien qui fait au hasard. C'est seulement Haïti, moi, nèg a fait politique au hasard. Nèg là, il était militant, il était dans la rue, il était qu'on a boulé caoutchouc, il était qu'on a pot de valise pour ancien député, ancien sénateur, il était qu'on a fait tchou, nèg qui m'a chef cabinet, m'a cabinet président, etc., premier ministre, et puis après, on t'y entendait le député, le sénateur. Après un petit temps, on entendait les gros conseillers dans le palais, les gros conseillers dans la primature, seulement en Haïti. Là, aux États-Unis, on entendait tout le temps, il y a plein on est, États-Unis, pays ami d'Haïti, etc., etc. Non, je ne sais pas de panelis sur dire là. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Chaque monde a géré ça bon pour eux, chaque monde a géré intérêt par eux, mais. Pour gen au total si m pa trompe m gen près de 8 présidents américains qui passé dans tête maison blanche yo sorti nan yon nan pi gwo université nan monde la yo sorti Harvard. Donc jodi an question connaissance, question éducation, nou pa ka jwa bagay sa yo. Si nous voulons faire pays, faut nous commencer à apprendre, accepter moun ki éduqué, accepter moun ki gen connaissance, accepter moun ki gen expertise. Nous faisons remarquer en pile fois, des fois qu'a font émission côté que ou gagne des invités qui a vinn parler des séries de sujets, c'est pas sujet zin, c'est pas sujet oui, c'est pas sujet et qui intéresse moun yo soit disant parce que le pa gen zin, le pa gen bozza. Donc nous pas ou pas moun k'ap gade émission. Ou pas vraiment joindre moun k'ap gade émission, pas vraiment joindre moun k'ap partager émission parce que tout ça qui intéresse haïtien journée aujourd'hui c'est zin. Et c'est ça qui fait. Et c'est ça qui fait grand pile moun journée aujourd'hui là qui utilise réseau en façon parce que yo obligé faire manipulation. N'a faire réseaux sociaux et bien réseaux sociaux al gen communication pal. Li gen mode de communication pal. Gen pile moun wè k'ap poste vidéo, yo meton tit boz, yo meton menti et puis so tande a la moun débaté yo vin gade et puis lò fin chito tande wap tande oh, ça yo meté al pa sa vrai. Pour ki ça parce que nous pa gen culture science, nous pa gen culture éducation. Nous remen zin, nous remen roi, mais tout ça qui ka aider nous rentrer dans racine, dans profondeur problème yo, li pa intéressé nous. Mais nous tout vle pays changer. Comment pays pral changer si bazan nous pa vle konnen, nous pa vle tande, nous pa vle accepter le. Eh bien c'est ça. Eh bien journée aujourd'hui hein, moi-même m'a continuer dans même démarche, m'a continuer clairon et sonner oreilles nous parce que espace libre opinion rubrique ça li là pour tout haïtien qui conséquent.
li là pour nous faire débat, li là pour nous parler pays, li là pour nous parler société, venir avec des projets de société, des plans de société. Parce que ça n'a vivre journée jodi là, ça n'a pas ces trahis, tribulation, calamité n'a vivant dedans pays. En tant qu'haïtien moins dit médié, m'a regardé un jeune garçon qui rentre en bas en banc, n'a pas que Sainte-Thérèse pour qu'il ça pour un passeport. Tête li pa ka sorti, boudal pa ka sorti. Li kole en bas bagay la pour qu'il ça pour un passeport. Gon madame yo voye vidéo grand moun nan bon moi ki resi jwenn passeport, resi recevoir passeport. Madame nan tellement prié, alléluia, perdu la vie yo. Dedans bureau. Donc est-ce que nous comprenons l'enjeu yo? Enjeu yo en pile. Jeunes de mon pays, armez-vous de science jusqu'au dans l'homme. Parler de jeunes nan, c'est pas jeunes seulement, nous toutes. Tout le monde qui a envie de connaissance, tout le monde qui a envie et un savoir-faire, tout le monde qui a envie d'aider pour changer le pays, ce n'est pas ni dans la magie, ni dans la prière, ni dans jeter de l'eau, ni dans le et tracer vers. C'est connaissance, c'est expérience, c'est expertise qui a aidé à changer le pays. C'est un véritable plaisir pour me faire avec aujourd'hui, pour me déporter pour l'émission Mon Éditorial avec Yannick. Et nous faisons un bon débat, nous faisons un bon râle. Je vous invite à vous faire sur le channel, pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification. Quand vous êtes connecté avec nous, ou pas rater aucune vidéo que vous avez pour nous poster. Dernière micro-présentation, c'est toujours même Yannick, la même voix. Et pas changer. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, que chez Chanel Paul là pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, même voix.